Mesdames, messieurs, quel plaisir de pouvoir entendre à nouveau ce générique. Bienvenue sur Eleven Sport pour cette Proximity Pro League saison 4 sur FIFA 22. Vous la connaissez maintenant, c'est le championnat de Belgique sur la simulation de football. Ça va être incroyable, ça va être exceptionnel. Ce sont l'ensemble des clubs belges de Pro League qui vont s'affronter pour votre plus grand bonheur et pour un spectacle qu'on espère magnifique. Et pour suivre tout cela en ma compagnie, j'ai ni plus ni moins que le meilleur analyste que je connaisse, un homme incroyable. Incroyable, Xavier ici. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien aujourd'hui ? Très très bien, et toi ? Alors, je voulais raconter, Proximity Pro League, vous l'avez déjà vu l'année précédente et encore l'année avant, mais c'est la deuxième année qu'elle est retransmise sur Eleven Sport. On a eu la chance déjà de pouvoir la commenter. Est-ce que tu as des attentes particulières cette année ? Bah, tout simplement le fait qu'on passe sur le motif Ultimate Team au lieu du mode de Nantes, rien que ça va être une belle... c'est une attente, tout simplement il y a beaucoup de joueurs qui se cachent un petit peu derrière l'excuse, on joue en mode de Nantes, on n'a pas l'habitude. Ici ils vont jouer sur Ultimate Team, le mode où ils jouent tous les jours, donc ils peuvent que performer, ils n'ont plus d'excuses. J'allais y venir, et il y a quand même une subtilité je pense Xavier, parce qu'on ne va pas jouer au mode Ultimate Team global, général, on a des petites règles. En fait oui, il y a des règles quand même pour respecter un petit peu le championnat belge, tous les joueurs doivent utiliser au moins deux joueurs de leur propre club, et à côté de ça c'est que des Belges, des joueurs jouant en Pro League ou étant passé par la Pro League. Oui, tout à fait. Et ça risque d'avoir de permettre des compositions assez étonnantes. Alors, on a quelques joueurs qui reviendront assez souvent parce qu'on a besoin que de deux joueurs de notre propre club. Mais malgré tout, il va falloir réussir à les positionner, ces joueurs, parce que cette fois-ci, ils n'auront pas les statistiques d'un mode Nantes, mais leurs vraies statistiques. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des postes un peu plus importants que d'autres, on va dire ça comme ça. Voyons voir un petit peu justement le planning pour aujourd'hui, quels seront les matchs que nous aurons l'occasion de voir et de commenter. Le premier, on va y revenir tout de suite, le club de Bruges affrontera Zulte Waregem et directement après déjà un duel très important, la Gantoise Genk, on attend ça avec impatience. Antwerp contre le Standard Liège poursuivre, Courtrai face à Louvain, nous aurons également Charleroi qui affrontera Ostende, Eupen face au Berscott, Saint-Tron cercle de Bruges et puis les deux promus seront dans les deux derniers matchs, Serein affrontera Anderlecht et Union Saint-Gilloise face à Malines. Ouais. Oh, un calendrier qui a l'air assez sympathique pour cette première journée tout de même. Tout à fait, un très beau planning. Et puis, on va pas vous en parler en entièreté dès le début, par contre, on va le commencer tout de suite, puisque l'affiche de ce premier match, c'est Club de Bruges, Zulte Waregem, et on va vous parler Mercato, ça commence tout de suite, Rudy Ekman, joueur du Club de Bruges. Et voilà, un nouveau joueur, tout simplement. Bruges a organisé un tournoi pour trouver leur nouveau représentant, il a remporté le tournoi. Il représente le club de Bruges. C'est aussi simple que ça, Xavier. Et qu'est-ce qui se passe du côté de Renzo, joueur de Zulte? Renzo Geoffrey est parti du côté de Genk, donc la place était libre. Renzo cherchait un club. C'est vrai que d'habitude, il est plus souvent coach du côté néerlandophone, enfin du côté des Pays-Bas. Ici, il voulait retrouver un petit peu la compétition, donc il s'est proposé à Zulte Waregem, qui ont accepté de le prendre. Tout à fait, dans un rôle aussi un petit peu entre manager, coach et joueur, hein, Renzo, du côté notamment de la team Gullit, mais également de vitesse, on aura l'occasion d'y revenir autour de la performance de lui et son poulain en Eredivisie. Donc vraiment un joueur d'expérience, un joueur qu'on ne connaît pas spécialement si bien pour l'instant en Belgique, mais qui malgré tout a sûrement de grandes qualités. Donc c'est un peu un match surprise finalement. Oui. Difficile de vraiment établir un pronostic. D'un côté, on a un joueur qu'on connaît vraiment pas beaucoup pour le club de Bruges, et face à lui, un joueur dont on connaît la qualité, dont on connaît le niveau de jeu, mais pas dans une compétition belge. Oui, voilà, pas dans une compétition belge. Après, c'est vrai que Renzo fait aussi des compétitions internationales. C'est ça. On l'a vu souvent performant. Donc, en théorie, sur papier, c'est quand même lui le favori. Tout à Après, fait. Si Rudy arrive à le battre, c'est qu'on verra qu'on peut vraiment compter sur Rudy dans ce championnat. C'est ça, exactement. C'est un peu le favori, mais aussi en partie par le manque d'informations réelles qu'on a sur la qualité de jeu, hein, j'insiste, sur la qualité de jeu de Rudy Ekman, le joueur du club de Bruges. Au niveau des compositions, on aura l'occasion évidemment d'y revenir très très vite. On espère voir quelques petites différences, même si, comme on vous l'a dit, il y a des joueurs qu'on va retrouver sur le papier, sur la feuille de match quasiment à chaque fois. Bon, y en a un qui me vient en tête instantanément, c'est De Bruyne. Oui. Après, c'est quand même un des meilleurs Belges, quand même, c'est celui qui a la note la plus haute, de toute façon, quoi qu'il arrive, avec son 91, 5 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, c'est dur de s'en passer dans notre jeu. Tout à fait, et l'autre joueur qui pourrait avoir ce genre d'éléments, c'est potentiellement Thibaut Courtois dans les cages. Alors, on sait que parfois, ça arrive même assez souvent de voir des joueurs décider de mettre un gardien de but avec une statistique, une note générale bien plus basse que les 89 de notre cher Courtois, mais malgré tout, on risque de l'y retrouver assez souvent. Oui, c'est vrai, même s'il n'a pas forcément le collectif. Et après, un gardien, c'est assez aléatoire. Il est tellement grand, en fait, que ça aide pour ce poste. Tout à fait. Et là, justement, du côté du club de Bruges, on a un certain avantage, je pense, dans cette compétition, dans le sens où la note générale du club est déjà beaucoup plus haute que celle de pas mal d'autres clubs. C'est vrai que, mine de rien, les gros clubs en Belgique ont quand même un petit avantage, dans le sens qu'ils ont des joueurs un peu plus performants dans leur club, normalement. Tout à fait.
Et en général, on a tendance à privilégier les éléments plus latéraux hein, pour mettre nos joueurs de notre propre club. Pourquoi, d'après toi, Xavier ? Simplement parce qu'un défenseur latéral, à partir du moment où il court vite, c'est plus ou moins suffisant. Donc souvent, on arrive quand même à en trouver un qui sort un petit peu du lot dans notre club. Et puis après, pour le lien, justement avec le collectif, on met habituellement un ailier sur le même flanc. De manière très intéressante, on a tendance pour l'instant à privilégier malgré tout les ailes sur lesquelles on retrouve les joueurs de notre club. Hein, l'aile droite du côté de Zulte Wargame et également l'aile droite d'ailleurs du côté brugeois. On voit que le jeu s'y concentre et là c'est justement Noah Lang avec Kevin De Bruyne qui vont tenter de relancer une belle occasion. Mertens toujours, on va y revenir d'ailleurs, c'est intéressant de retrouver Mertens parce que ça va nous permettre un certain débat juste après cette occasion que j'ai l'impression qu'on temporise le jeu. Je vous disais, très peu de joueurs dans les compositions auront des hautes notes en gestes techniques. Oui c'est vrai, bah, maximum ce sera 4, il y a De Bruyne, Mertens par exemple, Noah Lang aussi, mais à part ça il n'y en a pas énormément. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc ça va être intéressant de pouvoir analyser ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Attention à justement Kevin De Bruyne et ses qualités pour aller chercher Lang, le centre second poteau et la première frappe et le premier but pour le club de Bruges. Ah, ça commence très 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 bien pour le Brugeois qui justement crée déjà la surprise entre gros guillemets en allant marquer sur match. Elle est très très bien rentrée dans ce match. Justement, on l'a vu même quand Zult avait le ballon, il était pas forcément très dangereux, il le mettait pas forcément en difficulté non plus. Tout à fait. Allez, Théâtre, vers De Bruyne, on a malheureusement raté cette passe. C'est directement Bamba aussi, qu'on n'a pas encore cité. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce joueur au fur et à mesure. Il la voit tout petit peu en Belgique, pas beaucoup, mais il a joué quelques matchs du côté de Saint-Tron. Assez que pour pouvoir l'aligner. Voilà. C'est globalement ce qu'il faut retenir. Allez, Mata, Lang, Koulibaly, avec Lang à nouveau. Vraiment, la possession est largement brugeoise. Hein. Il suffisait que je le dise, évidemment, pour que cette passe soit un petit peu trop tranchante. Sur mot. On persiste hein, vraiment du côté de Zult hein, à jouer sur cette aile droite alors qu'on est censé en théorie avoir plus de qualité d'un point de vue statistique. Ouais, après de manière générale quand on est joueur super on a toujours un côté qu'on préfère jouer de l'autre, peut-être qu'en deuxième période il va aussi jouer sur le haut de l'écran en fait, mais sur l'autre aile c'est toujours un petit peu, c'est inconsciemment en fait. Il y a une règle importante je pense qui a été soulignée, c'est que les deux joueurs justement de notre club doivent être alignés pendant 45 minutes du match au moins minimum, jusqu'à la mi-temps. Ce qui veut dire que il va y avoir des stratégies autour de ça aussi. Est-ce qu'on fait un changement à la 45e minute ? Est-ce qu'on prend le temps du joker ? Et pendant que je parlais de ça, on a proposé une occasion intéressante, heureusement, pour son adversaire. Il y avait une position d'hors-jeu. Mais on sent que Zult commence doucement à prendre dans son match. Il a été peut-être un peu surpris par le bon début de match de Redi du côté du club de Bruges. Mais voilà, on connaît la qualité de Renzo et on se doute qu'il ne va pas simplement subir le match. Ouais, tout à fait. Hein. 25e minute déjà. Nous approchons de la première demi-heure et une pause a été demandée du côté de Renzo potentiellement pour faire déjà un petit changement tactique. On va aller chercher ici Openda qui était malheureusement en position d'enjeu. Non, c'était simplement pour des éléments de paramètres, rien de bien grave il me semble. Non, je pense qu'il vérifiait un petit peu pour certains paramètres qui n'étaient peut-être pas forcément bien ajustés en début de rencontre. On va voir un petit peu comment cette fin de première mi-temps peut s'agencer. Pour l'instant, donc un match... c'est un peu trop tôt pour parler de match équilibré. On a juste eu une occasion du côté de Zult à la fin. On a une légère domination du club de Bruges durant les 10-15 premières minutes. Je pense que ça résume un peu plus. Et on a vu deux compos différentes. 4-2-3 du côté de Zult et 4-2-2-2 du côté du club de Bruges. Donc c'est un peu deux styles de jeu un peu opposés aussi. Ouais, c'est pas du tout la même chose en l'occurrence. On a relancé le match entre-temps avec Théat. Allez chercher Mal. Lui, on s'en souvient parce qu'on l'a souvent commenté, évidemment. Il y a 2-3 ans, ouais. il était déjà joué dans son ancien club. Quand il était du côté de Genk. Genk, hein. Oui, tout à fait. Openda, la profondeur n'est pas assez puissante que pour aller chercher son coéquipier. Une récupération de Théâtre pour Fellaini, Mertens. Théâtre aussi une surprise parce que Théâtre, d'un point de vue purement statistique, encore une fois, s'il... Allez, il a moins de notes générales que Lang, par exemple, qui est aligné en face en tant que joueur de notre club. Mais après, il a quand même des statistiques détaillées assez intéressantes. Quand même 76 en vitesse pour un défenseur central. C'est dur de trouver plus en Belgique ou même tout simplement niveau belge. Et puis, il y a le lien, évidemment, avec Koulibaly, hein, qu'on n'a pas encore cité. Le lien en Serie A, belge et Serie A, il n'y en a pas énormément. Lui, Mertens, c'est à part ça. C'est ça. C'est vrai qu'avec le mode Ultimate Team, on voit plus de Diables Rouges qu'auparavant. Tout à fait. Tout à fait, absolument. De Bruyne, Mata, et on va changer d'aile, la transversale en direction d'Atal.
Attal pour Tielemans et Denayer. On fait tourner ce ballon pour l'instant du côté brugeois. Sans volonté de trop se pousser vers l'avant. On vous le rappelle évidemment qu'il n'y a qu'un match aller. Nous sommes dans une phase de championnat. Donc c'est comme n'importe quel championnat, pardon. Pour pas qu'on n'aura pas une deuxième ronde. Hein. Donc ce match-là permettra d'aller chercher les 3 points face à son adversaire. Et ça s'arrêtera là. Attal. Youssef Attal. Vers presque Youri Tielemans. Mais c'est Mertens qui récupérera ce ballon. Mertens qui a, tu l'as dit, hein, les qualités techniques peut-être pour aller créer ces petits décalages en termes de dribble. Ouais, en plus de ces 4 étoiles de technique, il y a aussi 4 étoiles mauvais pied. C'est ça. Et c'est vrai que les étoiles mauvais pied, c'est quand même assez important. Imagine, c'est 1-1 dans les arrêts de jeu. T'es à face-face avec le gardien. Puis à cause des étoiles de mauvais pied, tu tires complètement à côté. Ça peut être assez ralent. Ouais, c'est fini, hein, le bon de Nantes et voilà. Nos 5 étoiles. Les qualités que ça nous apportait à ce niveau-là. Il va falloir choisir le pied sur lequel on frappe maintenant. Openda avec De Bruyne. Openda à nouveau. On revient encore vers De Bruyne. Ça fait bien tourner. On est un petit peu bloqué par le rectangle de Zulte Waregem. On va tenter de déborder sur les ailes, créer peut-être une ouverture. Ici, c'est bien fait. C'est très très bien fait. Mais la transversale qui vient empêcher ce ballon d'arriver au fond des filets. Quelle belle occasion pour le club de Bruges. Et pour moi, c'est lui qui se montre vraiment le plus dangereux. On a pas, à part le goal annulé pour hors-jeu du côté de Zulte, on n'a rien vu. Typiquement, il y a juste Bruges qui prend un peu le jeu à son compte. De manière générale, je pense que c'est lui qui a un peu plus la possession. Il faut vérifier dans les statistiques, mais c'est la pression générale. Et c'est lui qui se crée le plus cette occasion, soit être véritablement très dangereux, à part son but et ici maintenant la transversale. Avant, il y avait aussi une autre action un petit peu dangereuse qu'il n'a pas pu tirer. Mais c'est vraiment lui qui prend un peu le jeu à son compte dans ce match. On a vu que le choix a été fait de faire des changements tactiques à la 45e. On a vu la montée de Chong aussi. Oui. Tu m'en avais parlé avant. Le super sub par excellence. Ah, alors là, lui, il risque de faire très 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 mal. Hein, et qui monte à la base de Lang, Bamba à la base de Mertens. Un intéressant peu plus de diversité aussi. Et Chong qui rentre aussi, hein, du côté des Zulte. Comme je te le disais, c'est vraiment le super sub qu'il faut essayer d'avoir. Donc ça va être intéressant de voir parce que je pense qu'il reste encore un changement du côté d'une des deux équipes et plus de l'autre côté. Oui, un changement du côté de Zulte et deux du côté de Bruges. Ah, c'est un et deux, tu penses? Oui, ah, Zulte en a fait deux changements, donc il en reste un et Bruges a fait qu'un seul changement, il me semble. C'est très possible. J'ai pas eu le temps de bien remarquer, on le verra dans tous les cas, mais l'influence que ça va avoir, c'est qu'on va arriver à la 70e, 80e, et au moment où on aura, enfin plutôt 70e d'ailleurs, on aura peut-être besoin là littéralement d'un joker pour aller prendre de vitesse la défense adverse, et on l'aura peut-être plus si on fait trop de changements à l'avance. C'est vrai qu'il faut réfléchir aussi, on a que 3 changements, donc il faut en faire, mais il faut aussi en garder au cas où on a besoin d'un petit peu de sang frais pour les 10-20 dernières minutes. Absolument, tout à fait, rappelons également que dans le règlement, nous avons droit à 3 arrêts de jeu par joueur. C'est assez important pour le signer parce que ça peut aussi servir de pause. Hein. Oui. On peut s'en servir pour faire une petite pause après avoir marqué un but important ou pour changer totalement notre tactique. Une nouvelle tentative de frappe du côté du club de Bruges qui définitivement est en train d'asseoir une domination de plus en plus importante. Pour moi, il est même mal payé avec seulement 1-0. Ouais, pour moi aussi. Tout à fait. Ouais, essayer évidemment de changer la donne, hein, du côté de Zulte, mais pour l'instant ce n'est pas encore. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, disons. Openda. Et là, la récupération de Tielemans, on n'arrive vraiment pas à passer cette ligne. Ce n'est pas vraiment une ligne, mais entre le rectangle, entre la surface de réparation adverse et la ligne du milieu de terrain. Ouais. Et là, on voit aussi l'intelligence de jeu du côté de Bruges. Hein. Il mène à 0, il n'y a pas de solution, il revient derrière, il fait tourner. C'est à Zulte d'aller le presser, c'est pas à lui d'aller vers l'avant et perdre le ballon. Après, 1-0, ça reste relativement dangereux, non? Oui, voilà. Oui, mais c'est plus Zulte qui doit sortir. Bah, lui, il peut se permettre de faire tourner. Si Zulte n'a pas envie de presser, bah, lui, il fait des passes avec ses deux défenseurs centraux et il attend la fin du match. Ouais, tout à fait. Très bon niveau de jeu pour l'instant, opposé par le joueur du club de Bruges. Très agréablement surpris. Mata pour aller chercher De Bruyne avec Mertens. De Bruyne encore. Tielemans, cette passe elle est très belle pour Openda, on tente justement d'aller chercher Chong qui est aussi immense, je ne le savais pas aussi grand. Ça en fait qui est vraiment sa force, c'est que double 4 étoiles, très très grand et une agilité qui est quand même assez importante pour sa taille. C'est ça, ou alors c'est peut-être la touffe qui me donne encore une impression supplémentaire, mais là franchement je le savais relativement grand, mais à ce point-là. 85 ou 86. Ah oui, ok, je le voyais plus à 1m90, pour être tout à fait honnête. Il me semble, hein, après... C'est à vérifier, on aura l'occasion de le vérifier. On voit aussi qu'on a un petit Doku sur le banc. Ouais. Pourquoi pas un choix qui peut être intéressant. C'est le moment évidemment des changements tactiques, hein, d'un côté comme de l'autre. Alors on arrive au timing où ça se fait d'habitude, hein, c'est dans les 65-70e minutes de jeu.
Donc c'est tout à fait normal. Quel est le, d'après toi, est-ce qu'on va avoir un changement de physionomie dans la fin de ce match? J'ai pas l'impression. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que Renzo il est vraiment en plein doute, qu'on voit qu'il n'arrête pas de regarder ses paramètres, de changer, et qu'il n'est pas forcément serein dans son match, donc je ne le vois pas forcément revenir. Sauf sur un petit peu contre le cours du jeu, mais pour moi, il ne reviendra pas dans ce match. Peut-être une question de, je ne sais pas, de mental, de concentration, de contexte aussi peut-être. Pour l'instant, la balle est du côté d'Openda. Et il va tout simplement sortir hein, le corner qui ne va quasiment pas être joué. On va pas donner la possibilité à l'adversaire de pouvoir éventuellement profiter d'une contre-attaque. On finit quand même par rendre le ballon malheureusement sans faire exprès. C'est Malheu qui va dégager vers Atal. C'est fatal. Avec Marouane Fellaini qu'on n'a pas beaucoup vu hein, dans ce match. N'a pas été très très créateur. Comme de manière générale, tous les joueurs de Zulta. Ouais, malheureusement oui. On a beaucoup en plus parlé des défenseurs de Zul que du secteur offensif. Hein. De Bruyne. C'est vrai qu'étonnamment, du côté du club de Bruges, c'est peut-être une des seules équipes qui ne joue pas Fellaini. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est une question de formation si tu m'as dit qu'on était dans Ouais. un. Un 4-2-2-2, c'est Oui, vrai tout à fait. Après, il a préféré Tillmans. En fait, il joue avec De Bruyne, Tillmans. Et peut-être que d'autres joueurs auraient joué De Bruyne et Fellaini. Intéressant, très intéressant. Carrasco, ouais, la balle, cette passe très 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 puissante en profondeur pour aller chercher Tchang face à Théâtre qui se retourne bien. L'appui de Carrasco qui était à l'origine de la première passe, et là celle-ci elle est un peu moins bonne. Heureusement De Bruyne peut la récupérer. Mata. De Bruyne pour Openda. On va chercher Tchang. Tchang, la feinte, elle est exceptionnelle cette feinte. Elle est exceptionnelle pour aller chercher ensuite un tir quasi croisé. Sur la droite, vraiment, c'était magnifique. On a effacé trois défenseurs d'un coup. Oui, simplement une fan de corps, simplement qui lui permet d'effacer la moitié de la défense. Ah, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était un léger décalage, hein, vraiment, un léger décalage vers la droite pour aller tirer juste ensuite. Mais. Et le problème, c'est que ce genre de feinte, ça va tellement vite que tu ne peux pas réagir en fait. Non, c'est clair. Et je pense qu'il avait clairement anticipé une frappe dans cette Voilà. position dans le rectangle. Ouais, alors que la frappe, je pense qu'il y avait tellement de défenseurs devant, il a bien fait de pas frapper, Ouais. que le ballon ne serait pas passé ou vraiment par miracle. Ouais, très probablement. 2-0, un score qui me paraît quand même largement mérité hein, pour l'instant pour Lee Ekman qui fait une prestation, on peut le dire, pleine. Ouais, voilà, et il peut tout simplement voir cette fin de match un peu plus sereinement aussi, puisque avec 2 goals d'avance, il a quand même un petit peu de marge d'erreur. Non, absolument. On voit d'ailleurs Thibaut Courtois en bas à droite de votre écran. Avec une posture très caractéristique du joueur également dans la vraie vie. Hein. On le voit souvent dans cette posture. Montée de bas de Fellaini Voilà. à la place de Tielemans, on en parlait. C'est vrai qu'on rejoint, je ne sais plus si tu nous l'as dit pendant le match ou en avant-match, mais je me souviens d'avoir parlé avec toi du fait que remplacer les latéraux, même si ils ont des statistiques peut-être un peu plus faibles, n'est pas spécialement pertinent. On voit qu'on a gardé Mata typiquement du côté Ouais, parce rouge. qu'habituellement, les latéraux, c'est rare les joueurs qui jouent avec des latéraux très offensifs qui ont vraiment besoin d'une bonne note en tir, en passe ou autre. Souvent, ils sont juste là pour défendre et de la vitesse, ça suffit très souvent. Ah, Tchong qui va aller chercher une nouvelle frappe qui était une balle de 3-0 pendant ton analyse. Un corner qui va être joué. Corner joué à la rémoise peut-être. Non, on va le jouer premier poteau sur la tête de Fellaini, tout fraîchement rentré. Finalement, aucun danger. Mais c'est vrai qu'avec Tchong plus Fellaini, là, ça commence à Ouais, faire il y a quand même de la taille. une sacrée taille sur le terrain. Fellaini vers Mal. Mal a le râteau qui le met dans la trajectoire du défenseur adverse. C'était Matin en l'occurrence. La prise de vitesse. Hein. De Mertens, recherche Tchong à nouveau, il va pouvoir potentiellement aller chercher cette balle. Je pense qu'une frappe ici n'aurait pas été spécialement mauvaise. Je m'attendais à ce que cette passe soit récupérée par la défense adverse. Ouais, après on voit le joueur qui arrive de la deuxième ligne, c'est quand même tentant de faire la passe. C'est tentant de voir, hein, quand on voit un joueur en profondeur comme ça avec un certain espace autour de lui. J'y ai pensé également, mais. Surtout qu'à 2-0, tu dis que si elle passe, t'es sûr certain de faire le 3-0, donc faut essayer. Ouais, je comprends. Openda, encore une fois, on propose des petites feintes comme celle-ci. Carrasco, et la frappe de Carrasco. On vient soigner la différence de but, 3-0 donc. Et c'était monumental hein, le match du club de Bruges ici. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas faire meilleur début de compétition. C'est vrai que c'est un début de compétition rêvé pour le club de Bruges qui a quand même de grandes ambitions cette Proximus Hyper League. Il devait bien commencer. Ah oui, c'est.
C'était un match de grande qualité pour lui. Est-ce qu'on peut parler... Alors, je ne sais pas si c'est déjà le bon terme en réalité, mais est-ce qu'on peut parler De de surprise, tu voulais déception? dire? Ah non. Je veux dire, je sais pas, peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est peut-être pour les observateurs extérieurs à cette compétition, c'est peut-être un peu une surprise, tout simplement, parce Ouais. qu'on voilà, Renzo, les gens le connaissent, Rudy, les gens ne le connaissaient pas forcément. Le Bien voir sûr. s'imposer 3-0 directement, c'est un beau résultat pour le club de Bruges. Ah, c'est un sacré résultat même pour le club de Bruges. Après, il faut voir sur le long terme. Encore une fois, on est Oui. aussi sur un premier match de compétition. Il doit aussi s'acclimater, évidemment, Renzo, à cette compétition qui est peut-être un petit peu différente que ses habitudes. Peut-être que voilà, il a des fonctions également en dehors. On le connaît en tant que manager, donc peut-être qu'il y a eu un manque d'entraînement. J'en sais Oui, rien. simplement, On puis fait voilà, que des tout pré. simplement, plusieurs fois pendant le match, il vérifiait ses réglages, il changeait. Donc on voyait qu'il n'était pas forcément bien dans son match, et ça peut arriver un joueur sans, ça peut arriver à tout le monde. C'est clair, donc que des présuppositions pardon, pour l'instant. On a hâte de voir évidemment s'il peut nous faire démentir tout au long de cette compétition. On sera ravis de pouvoir l'observer en votre compagnie. Un match donc qui s'est soldé, Xavier vous l'a répété, sur un score de 3 buts à 0. Nous enchaînerons avec un match entre la Gantoise et Caen. Donc restez bien devant votre écran. On vous retrouve tout de suite. De retour en votre compagnie pour un match exceptionnel. Et pourquoi est-ce que je vous parle d'exceptionnel? Et cette fois-ci, c'est à prendre avec grandeur, puisque c'est moi personnellement le match que j'attends le plus. Alors, déjà pour l'affiche en soi, la Gantoise contre Genk, mais également pour les joueurs de ces deux équipes, Xavier. Ouais, c'est vrai que c'est deux joueurs qu'on n'a pas encore vu justement en Proximus E-Pro League. D'un côté, Emino Merci, du côté de Gans, il a participé à la E-Cup, donc l'autre tournoi organisé par Eleven Sport. L'année dernière, il avait échoué en finale. Et de l'autre côté, Gilles, qui est quand même un des meilleurs joueurs belges depuis plusieurs années, il est toujours. Il était passé à travers la Proximus E-Pro League, il n'y a pas participé parce qu'il est participé à d'autres compétitions, la E-Ligue 1, la E-Divisie. Et cette année, il revient en Belgique pour cette compétition et on espère qu'il va faire bonne figure. C'est exceptionnel hein, de se dire. Alors, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus pendant longtemps et peut-être même encore maintenant en réalité. Gilles Bernard a été considéré comme le deuxième meilleur joueur de Belgique après un certain Stéphane Opina qui lui aussi fait partie de l'effectif du KRC Genk mais qui continue de jouer dans le championnat Même si néerlandais. je dirais peut-être même bien, il y a peut-être 2 ans, peut-être que même Gilles était peut-être le meilleur joueur belge, que Stéphane était un petit peu en retrait. Mais Mais c'était voilà, c'est à. toujours un peu 1 et 2, voilà, c'est C'est toujours un ça. peu. Ça portait à confusion parce que c'était justement l'année où Gilles a été le plus performant, c'est Voilà, l'année c'est ça. juste après le moment où Stéphane Opina a été Voilà, vice-champion du donc monde. c'était. Donc c'était compliqué de se dire que Stéphane Opina descendait en deuxième position. Voilà. C'est toujours été compliqué. Mais bon, il n'empêche que face à lui, regardez, Emino Merci, Kianou, Niwa, c'est un joueur d'exception également. Et vous avez pu déjà le voir, même si c'est la première année pardon, à laquelle il participe à la Proximus E-Pro League, il a participé à l'E-Cup, Oui. dont on avait pu commenter la finale d'ailleurs Oui, il y c'est a de ça. cela pas si longtemps que ça. Il avait perdu face à Likan, qui est devenu le joueur d'Eleven. Oui, c'est vrai que juste avant, il avait perdu aussi une autre finale de la Rivals College, donc un tournoi entre les différentes universités. Donc c'est vrai que les finales, ça lui réussit pas trop bien. Ouais, ou alors il y a un autre problème potentiel, c'est qu'on le maudit sans faire exprès. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commande Kianou, il perd. Alors, on va vu qu'il y a 18 journées, normalement cette malédiction devrait s'effacer, mais on espère que c'est pas vrai, hein, Xavier. Non, voilà. Même si ici dans ce match-ci, Gilles est quand même favori, hein, je pense. Voilà, on va y revenir évidemment, mais c'est clair que Gilles Bernard part avec un petit terrain d'avance par rapport à son adversaire. Donc, à voir malgré tout, à voir. Ça va demander. Un certain recul également parce qu'on sait que derrière tout ça, eh bien, il y a le travail de plusieurs autres joueurs. La Gantoise et Genk, ce sont deux équipes dans lesquelles on retrouve plein d'autres joueurs que les deux qui sont alignés ici. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a 4 joueurs du côté de Genk, 3 joueurs du côté de Gand, donc c'est vrai que c'est des rosters assez larges. Tout à fait. Et ce match commence déjà très 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 vite avec une possession qui sera pour la Gantoise. Traoré, Denayer, Castromontes, Denayer à nouveau. Avec Atal. Atal pour encore Denayer. Un match qui commence très calmement, Xavier. Est-ce qu'on aura droit au premier round d'observation réel depuis le début de cette compétition? Je pense que tout doucement, toujours les 5-10 premières minutes, même du côté du club de Bruges, je trouve que les 5-10 premières minutes c'était assez calme aussi, jusqu'au premier but en fait. Tout à fait. Castromontes pour Atal. Avec Denayer. Dante. Première fois également qu'on a l'occasion de citer son nom. Tissoudali, attention à attaquer Tissoudali sur l'aile droite. Et tu l'avais pré-shot, le penser le voir sur l'aile droite, c'est bien le cas. Ouais, c'est vrai que. Après, c'était un petit peu logique de le retrouver dans l'équipe de Gand. C'est un des meilleurs joueurs que ça aille dans la vie réelle ou même sur FIFA du côté de la Gantoise. Tout à fait. Denayer
encore. La possession n'a pas quitté les pieds de cette équipe. Hein. Pour l'instant, vraiment, on est sur un jeu très posé, très calme. On prend son temps. Je pense que Gilles doit faire quelques changements parce qu'il a demandé la pause dès le début. Avec Clément, tout à fait. Et là, on va, oui, voilà, cette pause a fini par être trouvée hein, par cette sortie en touche. Je pense que c'était important. Et regarde, on fait monter immédiatement Courtois à la place de Cels, oui, qui a été mis pour le collectif. Hein. C'est vrai que voilà, on en parlait un petit peu en avant-match. Hein. On se demandait pourquoi il l'a mis. C'est vrai que peut-être gaspiller, enfin, je sais pas si on peut dire gaspiller, mais faire un changement aussi rapide et juste pour un gardien. C'est peut-être même mieux de jouer avec Courtois qui n'a pas forcément le collectif. Oui, avec Cels. Ah, dans ce sens-là, tu préfères. Oui. Donc tu jouerais avec Courtois, mais tu baisserais le collectif. Oui, il y a beaucoup de joueurs dans cette compétition, quand on a vu un petit peu les compositions, qui jouent avec Courtois et qui n'a pas forcément le maximum en collectif. Oui, tout à fait. Intéressant. Montée aussi de Bamba à la place de Lukaku. Tu me l'attends. Traoré, les râteaux. On va conserver hein, ce ballon. Pour proposer quelque chose sur Castromontes pour Openda. Openda vient chercher Jonathan David, mais aucune possibilité d'aller armer une frappe ici. Ça y est, on finit par récupérer ce ballon à un moment ou un autre. Oui, je pense qu'il va essayer de le garder aussi à un moment, Gilles. Ouais, il serait temps de le faire. Bamba, attention évidemment à ne pas se faire avoir aussi par les couleurs. Parce que bien évidemment, là, si on regarde les maillots des deux joueurs, c'est l'opposé c'est en fait l'opposé, dans le match. Ouais, effectivement. Donc faites attention à ce propos. Genk est bien en blanc et la Grantoise est en bleu. Koulibaly pour Théat. Arthur Théat pour Munoz. Avec Chong. Chong du coup qui a la possibilité de cette fois-ci d'être aligné immédiatement. Hein, donc dès le début du match, contrairement à son statut de joker durant les matchs précédents. C'est vrai qu'il va jouer un petit peu plus que d'habitude. Tout à fait. Bamba qui est fraîchement monté, c'est assez étonnant de dire ça à la 20ème minute de jeu, mais fraîchement monté au jeu, Castromontes pour aller chercher Openda, attention à Jonathan David pour cette frappe, arrêté finalement par Thibaut Courtois, première grosse possibilité, et c'est maintenant Bamba qui va écoper de ce ballon avec cette tête splendide en finition synchronisée verte, les centres second poteau sur ce genre de corner après une passe à la Rémoise, ça marche bien cette année. Oui, c'est vrai que ça fonctionne encore même mieux avant les premières mises à jour, mais ça fonctionne toujours assez bien. Oui, tout à fait. Absolument. Et donc une première tête, premier but pour Emino qui vient prendre un petit avantage sur son adversaire, sur Gilles Bernard. Openda dont on a pu voir la carte l'espace d'un instant avec ses 95 en vitesse, s'il vous plaît. C'est une carte assez incroyable quand même. Ouais. Mais difficile à placer en dehors de notre compétition aussi. Hein. Oui. C'est vrai qu'il faut, enfin, il faut jouer avec quelques belles choses autour. C'est ça. Sinon, ça devient un peu compliqué. Deneyer. Dante. Avec Traoré. Tissou Dali. Non. On ne trouvera pas Tissou Dali sur cette occasion. C'est Carrasco qui sera porteur avec Koulibaly. Munoz. Et j'ai l'impression d'assez souvent citer les défenseurs de l'effectif de Genk, mais les attaquants, on ne les voit pas vraiment. Hein. Non, pour le moment, je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, mais quasiment. Ouais, c'est clair. Après, il n'y a eu qu'une seule occasion qui a mené au but, hein, ne l'oublions pas. Enfin, ouais. Deux pour être exact. De Neuer. Atal. Bamba. Et on va rechercher à nouveau de l'appui en arrière avec Youssef Atal. Jason Deneyer. Décidément, c'est un match où on fait tourner le ballon en défense. Hein. Xavier, on a connu plus palpitant. En fait, ils essayent vraiment de trouver la faille dans le jeu adverse et gardent très très bien le ballon, Emino. Ça s'est joué sur un corner. Est-ce que ce sera à nouveau le cas? On l'a joué de manière tout à fait différente. Très très rapidement avec Fellaini. Ah, Fellaini qui a tenté une passe tranchante. Ça aurait pu ouvrir une frappe immédiate pour Jonathan David. Ouais. Après, il faut vraiment essayer de surprendre l'adversaire. Donc, des fois, il faut tenter des choses un petit peu, je vais pas dire improbables, mais presque, parce que sinon, c'est souvent anticipé. Mmh. On stabilise aussi sur une conclusion qu'on avait pu déjà donner à la fin du premier match, que les gestes techniques, même si on a quelques possibilités en 4 étoiles, sont quasiment non utilisés. C'est vrai qu'on n'en voit pas énormément, à part on va dire, les classiques qui ne nécessitent même pas forcément 4 étoiles. Tout à fait. Castromontes, Atal pour Deneyer et de nouveau nous retrouvons le même schéma
Peut-être, si on veut vraiment reproduire le même schéma, il faut que le ballon sorte en corner sur les droites. Est-ce que ça va être le cas? On va le savoir d'ici quelques minutes. Non, on va aller changer d'aile, la transversale. On prend son temps, on le faisait déjà à 0-0, alors maintenant que c'est 1-0. Ouais, Gilles ne presse pas forcément beaucoup non plus pour récupérer le ballon. Est-ce qu'on va garder le ballon jusqu'à la fin de la première mi-temps? C'est une question qu'il faut se poser. Je pense qu'il devrait le faire. Enfin, s'il a l'opportunité de le faire, il devrait le faire. En tout cas, là, il avait vu une possibilité tranchante, il l'a proposé, mais le contre a été de l'autre côté. Et on voit le sourire hein, sur les lèvres de Gilles, si vous avez regardé il y a quelques secondes, qui commence doucement à s'impatienter de voir ce ballon tourner dans l'effectif adverse. Ouais. En même temps, à côté de ça, Gilles, il presse, enfin, il attend vraiment en fait. Il met pas en difficulté l'adversaire, donc il a raison de faire tourner, hein, Emino. Et encore une fois, il était pas loin de récupérer ce ballon hein, sur une interception de Bamba. On va finir cette première mi-temps. Un match qui... je serais intéressé de voir la statistique de possession. Je sais pas si on aura le temps d'avoir. Voilà, être très vif, Xavier. Abdelou doit être pas très loin des 70%. Quand même. Ah ouais, il va falloir être vif parce qu'en général, ils ont tendance à passer ces statistiques. Donc, regardez comme c'est bien fait cet écran-là. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de choses dans FIFA. Ah, ça me donne quand même pas l'information. Alors, attention. Tac, 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 tac. 80%. Voilà. Un petit peu plus. Ah ouais, on est encore bien plus haut. On était trop gentil, on va dire ça comme ça. 81% de possession pour Emino. Après, au final, je pense que Gilles l'a eu une fois le ballon. Et il l'a pas gardé très longtemps, mais à part ça... Deux fois. Et deux fois, ça tourne en défense. Une fois sur Chong à droite, et une fois, on a essayé, ça, on a perdu le ballon immédiatement. Après, il doit vraiment réagir et changer peut-être de dispositif, de tactique personnalisée ou quelque chose. Mais il peut pas subir une deuxième période comme il a subi la première. Non, c'est clair. En tout cas, on prend vraiment son temps, on temporise le jeu. Après, est-ce qu'on peut vraiment proposer, comment dire, je vais essayer d'exprimer ça avec les meilleurs mots possibles. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir ou reprocher à Emino ce comportement de jeu? Ah non, parce que finalement, tout. Il se contente d'utiliser... Pour moi, pas du tout. Emino, il a fait le 1-0. C'est l'adversaire qui doit sortir, donc il a raison. Il s'arrête de prendre des risques inutilement. Ok, ben alors on se rejoint sur ce point. Évidemment, c'est pas le match le plus beau de l'existence de cette compétition, mais c'est un match efficace hein, pour l'instant avec ce but marqué et cette légère avance. Ouais. Munoz. Oula, là il y a eu un petit problème dans cette action offensive. Et directement, on va essayer d'en profiter du côté de la Gantoise avec Bamba. Bamba, le râteau Openda, et c'est la balle de 2-0. Le premier contre pour Emilio Merci depuis le début de ce match. Ça a été chirurgical pour aller inscrire ce but, Jonathan David. Alors là, ça va devenir encore plus complexe. Ouais, je suis même étonné, parce qu'en fait, son action, il y a. Dans toute l'action, dans ses passes, il n'y a rien eu vraiment de surprenant. On s'attendait à ce qu'il fasse la passe en retrait, qu'il la fasse au deuxième attaquant. Donc je suis même étonné que Gilles ait été pris par surprise sur cette action. Tu vois qu'il n'ait pas vraiment pu anticiper. La pression, la précipitation? Peut-être, mais voilà. En soi, enfin, c'est pas pour toi, mais moi personnellement, ça se voyait qu'il allait faire la passe en retrait et la passe au deuxième poteau. Oui, je vois ce que tu veux. Enfin, après, c'est un schéma de jeu assez habituel. Ouais, c'est classique, hein. Toi, on va sur le voilà. Côté et puis on rentre dans l'axe. Il n'y a rien de surprenant dans... Non, c'est clair. Ou c'est on peut se dire, ah, c'est bien joué, il a vraiment pris par contre-pied Gilles ou autre, toi. Oui, mais justement, c'est ce que je vous proposais, c'est chirurgical dans le sens où il n'y a rien d'exceptionnel, mais on fait le travail, on met la balle là où il l'a fait. Allez, Atal pour Koulibaly. Alors, la statistique de possession va peut-être se rééquilibrer, je pense, dans cette fin de match, mais est-ce que le score, lui, va pouvoir changer d'ordre? J'en doute, hein, j'en doute quelque peu. Il va falloir proposer quelque chose très vite et peut-être déjà sur cette occasion avec Ito, Fellaini, De Bruyne. Et là, c'est la deuxième fois. Hein, c'est déjà la deuxième fois qu'on propose ce genre de passe où on ne comprend pas très très bien ce qu'il veut faire, hein, Gilles. Bamba pour De Bruyne, Fellaini. Fellaini vient chercher Chong. Chong toujours, Chong encore. C'est premier ball roll, c'est la première fois que je dis le mot ball roll, Xavier. C'est vrai. Mais on a vu justement cette action aussi que Gilles essayait de récupérer le ballon. Enfin, dès qu'il a perdu le ballon, on a vu qu'il pressait un peu plus haut pour le récupérer. On a vu qu'il y avait un peu plus d'envie, si on peut appeler ça comme ça. Absolument. Et on a vu aussi, je sais pas si tu l'as vu passer, la statistique de possession qui est redescendue à 72-28. Donc c'est déjà de plus en plus resserré. Mais c'est normal. Hein. On va jouer la rapidité maintenant du côté des Minos, du côté de Kianou avec Chong, le râteau. Et personne pour aller reprendre finalement ce ballon. Chong est aligné du coup maintenant des deux côtés
Sur théâtre pour Attal, De Bruyne, Carrasco. Carrasco qui n'a pas spécialement créé beaucoup de dangers pour l'instant depuis le début de cette compétition en deux matchs, hein, vous allez me dire. Il a marqué un but quand même. Du côté de Bruges, je pense que le dernier but c'est lui. C'est lui Il me semble que le 3-0 c'est lui. Ah oui, c'est possible. C'est très possible. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de citer si souvent que ça son nom dans un débordement latéral. Peut-être également que ce n'est qu'une impression de ma part. Carrasco, justement, on en parle, vient récupérer un ballon important sur l'aile gauche. Vient déborder, rentre dans le rectangle et c'était un centre, s'il me semble, qui s'est heurté à Dante. Une blessure, malheureusement, pour Traoré. On sait bien que ce genre de blessure n'a pas vraiment beaucoup d'influence sur la qualité en match. Non, et souvent, elle disparaît assez rapidement. Attal. Attal vient chercher Koulibaly. Bon, mal. On voit que Tchong était parti en profondeur. On vient le chercher après justement sa retraite vers la ligne défensive adverse. Il était en position de hors-jeu. Il n'a pas le temps. Il n'a pas eu le temps même de se positionner. De Bruyne. Attal, à nouveau, hein, on joue sur les ailes. Est-ce qu'on va reproposer un schéma similaire en rentrant dans l'axe à partir de l'aile gauche? Bamba cherche Openda qui se retourne bien en deux temps. Beaucoup de défenseurs autour de lui. Il va falloir tricoter. C'est ce qu'il a réussi à faire. Attal pour Deneyer. Et c'est toujours 2-0. La possession est de nouveau pour la Gantoise. Ouais, puis il reste moins de 20 minutes de jeu. Donc si Gilles veut revenir, il est temps qu'il se réveille. Il reste de moins en moins de temps. Ouais, très 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 temps. Carrasco. Bamba et Ito peut-être. Ito ici qui se fait bien tacler par Dante parce que celle-ci pouvait être dangereuse si on parvenait à passer la dernière ligne défensive adverse. On voit que là le pressing est tout de suite beaucoup plus important. Il aurait peut-être dû être aussi important dès le début du match. Ah, dès le début tu penses on n'aurait pas crevé nos joueurs? Non, je pense pas. Bamba pour David. En fait le pressing fatigue tes joueurs si tu ne gardes pas souvent le ballon. Mais si tu gardes quand même souvent le ballon et que le pressing t'aide juste à récupérer rapidement le ballon, tant que tu gardes le ballon, en fait tes joueurs ils vont pas presser vu que c'est toi qui as le ballon et tes joueurs ne se fatiguent pas forcément. Non, oui, c'est clair. Fellaini, Tchong, et Mal à droite. Mal le débordement et la passe en retrait. À nouveau un schéma de jeu assez simple mais efficace qui a failli tromper la défense adverse. On se retourne du côté d'Attal, 80e minute de jeu. On va déborder sur cette aile et Fellaini encore une fois placé. Les passes tranchantes en retrait, j'ai l'impression de ne voir que ça depuis le début de ce match. Ça fonctionne tellement bien sur FIFA 2. Tchong encore qui est en train de faire un petit exploit individuel avant de passer la balle à De Bruyne. De Bruyne encore et on se fait tacler ici par Malo. Un peu trop de temporisation, ça a laissé le temps à la défense adverse de reprendre ce ballon et Deneyer fait bien son travail défensif sur les ailes ici. Ça permet une petite temporisation qui va faire du bien à tout l'effectif. Ça a déjà été le cas. On voit maintenant qu'avec après ces sorties en touche, le bloc est replacé. Ouais. Et tout doucement, on se dirige vers une victoire gantoise hein, dans ce match. Ah oui, bien sûr. Hein, ça va. Surtout qu'on n'a pas vu d'occasion hein, du côté de Genk. Donc difficile de se dire que cela peut changer. Je ne pense pas qu'on verra la stat à la fin du match, mais je pense que la stat d'arrêt du joueur, du gardien de la gantoise est proche de zéro. Pour ne pas dire zéro, je crois ça même, mais. Il faudrait vérifier. Ah oui, c'est 0 ou 1, mais pas plus. Pour être tout à fait honnête, je ne me souviens même pas. Voilà, pour moi c'est 0, mais il y a peut-être une action dont je n'ai pas souvenir. Oui, ou alors, ça, c'est exactement ça, un tir qu'on a pu oublier. David, c'était la balle de 3 d'ailleurs. Hein. C'était la balle de 3 qui aurait pu être donnée ici par Bamba. Ça montre bien la physionomie du match. En tout cas, une chose est sûre, Xavier. On a eu deux confrontations pour l'instant. Deux confrontations où on a un favori clair. Deux et confrontations deux où c'est le joueur adverse. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Ouais, ça va se finir là-dessus en plus. Ça va se finir là-dessus. Très belle performance de Mino qui vient chercher les 3 points face à Gilles Bernard avec un jeu très axé sur la temporisation en première mi-temps. Une deuxième mi-temps déjà beaucoup plus confrontée, disons, avec un pressing de Gilles, mais qui n'aura pas suffi. Non, voilà, tout simplement, Emino a très très bien géré son match. Il a fait le 1-0, puis il a gardé le ballon. Il n'a pas été mis en difficulté par Gilles, le joueur de Genk. Donc en soi, il a géré son match, géré le score et au final, 2-0 pour la Gantoise. Je crois avoir vu 5 tirs à 0. Hein.
Je crois avoir vu 5 tirs à 0 dans cette confrontation. Peut-être qu'on le verra sur l'écran adverse. Alors, on est en train de revisionner les replays du côté de Gilles. On sait que c'est quelque chose qu'on connaît, hein, parce qu'il est en train de voir ce corner. C'est une phase de jeu. Ce qu'il aurait pu mieux défendre, ce qu'il aurait pu faire, enfin, justement mieux faire pour essayer d'éviter ce but, mais c'était pas toujours évident. Au deuxième poteau, habituellement, si tu ne déplaces pas toi-même le gardien, c'est souvent en but. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait, une petite technique aussi laissée par hasard, parce que c'est également ça, la proximity pro league, c'est vous permettre d'observer les meilleurs joueurs de Belgique et pour peut-être apprendre un petit peu à chaque fois en se disant « Ah, c'était intéressant la manière avec laquelle il a conçu cette occasion, conçu cette action ». Ni plus ni moins ici devant vous que les résultats pour l'instant de ce premier match day avec seulement deux matchs joués. Une victoire du club de Bruges 3-0 face aux Ultra Games, et vous l'avez vu, la Gantoise l'a emporté face à Genk. On va enchaîner sur un match un peu, je vais pas dire vieux jeu, mais allez, on a l'habitude. Avec deux joueurs qu'on connaît. C'est ça, exactement, et qui ont eu l'occasion de s'affronter durant plusieurs années déjà. Donc ils se connaissent plutôt bien, Antwerp contre le Standard de Liège. Mais pour suivre ça, eh bien, il va falloir rester devant votre écran. A tout de suite. Alors on a eu droit à deux confrontations assez novatrices avec des joueurs qu'on ne connaissait pas encore assez bien, en tout cas sur la scène de la Proximity Pro League. Maintenant c'est tout l'inverse, Shadow contre Alexander Zimet, Standard de Liège contre l'Antwerp. Ouais, c'est deux joueurs qui connaissent très bien en fait, ils sont là depuis le début que la compétition existe. Bah, Zimet est là vraiment depuis le départ et Shadow également, sauf la première saison c'est vrai qu'il représentait Moucron, puis il a tout de suite été transféré au Standard de Liège. Et depuis, bah, il fait quand même des performances assez correctes. Oui. Pas aussi bien que sa première saison où il a été champion de Belgique, mais il est quand même toujours qualifié pour les playoffs. Ouais, tout à fait, un très 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 bon joueur. C'est assez intéressant de les voir s'affronter. Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'on va avoir encore une marge de progression par rapport à l'année précédente ? On sait que Shadow, c'était une surprise, non pas du point de vue Proximity Pro League, mais plus dans le sens international l'année passée, avec ses performances notamment chez les Diables Rouges. C'est vrai que l'année dernière, il a vraiment progressé, il est vraiment monté d'une étape d'un niveau. Il faut voir si cette année, il va réussir à réitérer ses performances. Il a eu un petit peu du mal en ce début de saison, mais bon. Je pense que voilà, le début de saison et la saison est encore très longue pour lui. Absolument. Et même en soi, Alexander Zimet, c'était aussi une surprise au sein de la Proximity Pro League. Pourquoi ? Parce que même si on sait toujours que c'est un joueur qui a tendance à aller créer un peu de challenge, on ne s'attendait pas à ce qu'il aille chercher une cinquième position. En fait, pour moi, c'est vraiment le challenger par excellence. C'est ça. C'est le gars, on sait qu'il n'est pas excellent, mais il n'est pas mauvais non plus. Et il peut prendre des points contre tout le monde et puis créer la surprise et pourquoi pas aller très loin dans cette compétition. C'est ce qui s'est passé. Il a échoué finalement en quart de finale, hein, je vous le rappelle, face à Manse sur un score de 5-2. Donc c'était quand même un match, bon, ça avait commencé très mal, hein, 3-0 à l'aller, 2-2 au retour, pour vous situer un petit peu, pour vous resituer même un petit peu, puisque je suis certain et convaincu que vous avez suivi l'ensemble de la compétition l'année précédente. Je vais te poser pour la première fois cette question, parce que cette fois-ci, je pense qu'elle a particulièrement de la valeur. Quel est ton pronostic ? Moi, je vais dire 1-3 pour le Standard de Liège. Donc, tu vois un avantage quand même assez important pour le Standard dans ce match. Ben, je pense, oui, on a eu deux surprises lors des deux premiers matchs. Je vois mal une troisième surprise consécutive. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, puisque le match est dès à présent lancé par Fellaini. Mertens vient chercher Deneyer pour Attal. Un ballon donc qui sera, et là encore il va falloir faire attention à la faveur de l'Antwerp pour cet engagement, puisque l'Antwerp joue en rouge et le Standard de Liège joue en blanc. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'on joue plein de matchs avec des couleurs assez similaires. Après Fado est en blanc aussi, donc ça va. Cette fois-ci c'est déjà plus contextuel, plus cohérent. Allez, déjà ici une profondeur. Est-ce que tu penses que le fait de passer en mode fut peut être un avantage de plus pour Shadow ? Tout de même, oui. Surtout que on sait qu'il fait beaucoup de compétitions internationales où tout se passe sur Ultimate Team, donc ne pas devoir toujours rechanger de mode de jeu, ça peut être un avantage pour lui. Le Standard de Liège, hein, Shadow qui avait donc terminé en 6ème position dans la compétition régulière l'année précédente. Il avait perdu contre Didista en but en or durant les quarts de finale. Attention, c'est l'Antwerp qui est actuellement au ballon. Second poteau ballon, il ne doit pas perdre ce ballon après ce contrôle. C'était très dangereux au sein de la surface de réparation. S'en est très très bien sorti. De Bruyne peut se relancer avec Tapsoba. Vous connaissez le jeu de Shadow, ça va vite vers l'avant. Et ça se prouve avec cette frappe arrêtée par Thibaut Courtois. Ouais, son joueur était tout seul au grand rectangle. Ouais, c'est assez étonnant. Totalement esselé. Et là, ça va se relancer très vite avec Bamba. Pour Attal, et dans la récupération d'Openda avec Mertens,
Mertens pour Lukaku. Lukaku cherche Tapsoba et Tapsoba qui aurait presque pu proposer une frappe. Intéressant d'ailleurs le choix de Tapsoba en tant que joueur. Bah c'est vrai qu'il a aussi une équipe, il a une carte équipe de la semaine en fait. Et donc vu qu'il a une note assez faible de base, avec sa carte équipe de la semaine, il a eu quand même des notes assez boostées. Et c'est dur de s'en priver. Donc ouais, il faut prendre deux joueurs de ton club. Autant aller chercher un des joueurs qui a eu une carte de la voilà. semaine. Surtout qu'il court quand même de manière générale assez vite. Donc c'est assez agréable, on va dire comme ça. Je me souviens effectivement qu'il avait été ravi lorsqu'il a vu cette annonce de carte de la semaine. C'était en début d'année même, il me semble. Enfin, début de saison. Il l'avait eu grâce à ses performances avec l'équipe nationale en fait. Tout à fait. Attention à cette frappe arrêtée par Thibaut Courtois. N'Golan qui la joue rapidement dans les pieds de Mertens. En coup du foulard, s'il vous plaît, sur Fellaini. Et finalement, Thibaut Courtois vient de récupérer. On se fait plaisir. Ouais, c'est vrai que pour moi, le match va dans les deux sens en fait. C'est pas un match très fermé comme on a peut-être pu voir lors des deux premiers matchs. Ouais, absolument. Bamba. Bamba. Bamba encore. Vient chercher N'Golan. Un des deux joueurs alignés. On a noté en avant-partie le fait qu'on ne joue pas de latte, alors que honnêtement, c'est peut-être la meilleure carte en Pro League. Enfin, une des, si pas la meilleure. Oui, après, N'Golan a quand même une carte fort complète. Et après, c'est vrai qu'on aurait pu le jouer en soi. Denayer qui est dans l'axe, il n'a pas forcément une carte mieux que de latte. Mais il en faut que deux, donc il a choisi N'Golan et Buta, tout simplement, qui est latéral très rapide. Et pendant ce temps-là, pendant que tu nous annonçais ceci, une frappe puissante de la part de Sardin Liège, un but à zéro et la célébration qu'on a tendance à assimiler à zéro hein, pour la petite histoire qui ne fait plus partie d'ailleurs de la compétition. On revoit hein, ce tir, très 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 beau, premier poteau, rien à dire. Ouais, il se retourne même un petit peu trop facilement, on a l'impression. Ouais, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que pendant que tu parlais, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite dans le rectangle et qu'on ait aussi vite l'espace pour armer une frappe. Ça m'a pris un peu de court. Ouais, c'est vrai qu'on était un peu surpris, mais c'est le genre de match où un but peut vraiment arriver très très rapidement. Et ça a été effectivement le cas. Bamba pour Jonathan David. Attention à Mertens sur les droites. Le petit râteau pour se replacer. On va reproposer un râteau et chercher l'appui de Buta pour Fellaini. Jonathan David, attention à Bamba, la frappe arrêtée par Thibaut Courtois et la deuxième frappe qui cette fois-ci va rentrer au fond des filets. La réponse immédiate sur un petit coup de chance néanmoins. Ouais, un petit coup de chance après quand on voit l'ensemble de l'action, elle méritait quand même de finir au fond, enfin, il me semble. Mais c'est vrai que le fait que le ballon revienne dans ses pieds, c'est un petit peu de la chance tout de même. Ça fait également bizarre de voir ces statistiques, de voir les cartes ressortir après avoir des années et des années joué en mode 85 et en mode 90. Pouvoir avoir ce genre d'expérience, c'est quelque chose d'assez plaisant, je dois dire, Xavier. C'est vrai que c'est différent. Oui, c'est différent. Ça me rappelle énormément les compétitions internationales, pour être honnête. C'est vraiment ça. Lukaku pour Tapsoba, justement, on en parlait de Tapsoba. Tapsoba encore, le petit râteau, très bien joué. On va chercher Lukaku et la frappe enroulée. Honnêtement, je la voyais dedans. Ouais, c'est vrai que comme ça. Après, c'est pas forcément évident. Il était un peu. Il était pas forcément face au but, l'attaquant. Donc, c'est pas évident de mettre au fond. Ouais, mais dans cet angle-là, comme ça, je comprends. Il y avait cette caractéristique un peu enroulée. On était de côté par rapport au but. Donc, c'était un peu complexe. Mais honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle rentre. Ça s'est joué de peu, néanmoins. Carrasco. Yannick Ferra, Carrasco. Oula, il vient de complètement effacer le défenseur adverse. Il va rentrer presque dans la surface de réparation. Mais c'est Fellaini, Mertens. C'est maintenant Openda qui vont essayer de progressivement se relancer. Ça ne sera pas le cas. Koulibaly qui récupère. Koulibaly dont on ne parle pas énormément, mais qui, lorsqu'il peut être aligné avec d'autres joueurs, on parlait de théâtre, etc. Ouais. C'est vraiment un très très bon défenseur. Il fait mal. Oui. C'est surtout son physique en fait. Il est tellement imposant que c'est dur de le passer. Absolument. Et N'Golan, pourquoi est-ce que N'Golan est une carte particulièrement forte en joueur fait, de Pro League? C'est un milieu de terrain comme toutes les années. Enfin, en fait, il a une carte fort équilibrée. Il n'a pas de réelle faiblesse, mais pas de réelle force non plus. Donc dans l'entrejeu, c'est vraiment ça qui est intéressant. Lukaku avec Théâtre. Faye, Tapsoba. Ah, il a failli. Il aurait pu aller chercher Faye à nouveau. Lukaku, la frappe arrêtée par Jason Denayer. On a vu qu'il y avait une opportunité aussi sur la défense latérale. Est-ce que tu penses qu'on ne veut pas trop faire jouer Faye, trop le faire monter par peur de créer un énorme espace? Je pense que oui. Parce qu'on sait justement que les latéraux, c'est pas forcément déjà les meilleurs joueurs de l'équipe. Et en face, on a quand même des joueurs offensifs qui sont quand même assez forts. Ouais, absolument. Bamba, eh bien, beau le retour vers N'Golan. Fellaini
Un match serré hein, pour l'instant, on le rappelle. Jonathan David pour aller chercher Mertens. La frappe de Mertens, finalement arrêtée par une claquette de Courtois. Et là, par contre, on a très bien anticipé le coup du côté d'Arthur Théâtre pour potentiellement lancer une profondeur, mais elle était très mauvaise. Il avait joué le premier corner exactement de la même façon, donc c'était assez simple d'anticiper quand même. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que deux types de corners depuis le début. On y revient juste après cette occasion avec Openda encore en le râteau. Oh, le double tac de Fellaini Attal qui permet de se dégager. Mais donc, je te disais, on voit à peu près deux corners. Le corner où ça finit au second poteau et ce corner-ci. Oui, mais habituellement, ce corner-ci, c'est souvent pour faire une passe au deuxième poteau aussi. Simplement parce que quand on fait une passe hors trait comme ça, qu'on la met au deuxième poteau, t'es obligé de déplacer le gardien, sinon ça va être but. En fait, je vais pas dire un petit bug, mais c'est vraiment une mécanique qui fonctionne peut-être un peu trop bien. Et est-ce que si on bouge le gardien et qu'on fait une contre-anticipation, on peut aussi faire la tête dans l'autre sens et que ça puisse rentrer quasiment automatiquement aussi? Ouais, en fait, il faudrait peut-être faire une tête et la remettre, peut-être une tête hors trait tout simplement. Après, il y a tellement de joueurs dans le rectangle qu'il faudrait quand même beaucoup de chance pour que ça passe, toi. Ouais, donc c'est plus spécialement la même histoire. Voilà. On voit que les changements tactiques sont en train d'être faits. Je note la présence d'Osimhen également, qu'on va peut-être pouvoir sur les feuilles de match de temps en temps en compagnie de Koulibaly. C'est vrai qu'il est quand même très très rapide, Osimhen. Sa carte équipe de la semaine pourrait être quand même à 91 de vitesse. Et donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres joueurs plus rapides dans les joueurs disponibles. Absolument. On notera également la montée, comme à son habitude, de Chong. Ah, il était peut-être là déjà dès le départ, en tout cas j'ai pas eu l'occasion de le citer. Mais je pense qu'il est rentré. Je pense qu'il est rentré, oui. Montée de Diata aussi, s'il me semble. Ouais, Diata, un joueur très très vif, très rapide, qui est capable vraiment de faire la différence à tout moment. Absolument. Changer de formation aussi, parce que sinon on ne peut... Ah, quoique. En tous les cas, voici Bamba sur la droite, qui a fait face à deux défenseurs, qui a bien fait de revenir en arrière, chercher l'appui de ses coéquipiers, Fellaini et Nainggolan. Nainggolan qui vient chercher Bamba, qui va devoir faire face à Faye et qui peut-être, sur cette passe en retrait adressée à Chong, aurait pu créer la différence, toujours en but à 1. Une seconde mi-temps pardon, qui démarre très fort. Oui. C'est vrai que c'est deux joueurs, c'est pas deux joueurs qui aiment fermer le jeu. Donc on s'attendait à un match assez offensif et avec pas mal d'occasions. Ouais, un match assez ouvert. Hein. Bamba. Eh ouais, Nainggolan placé sur la trajectoire de ce ballon, la passe qui n'était pas précise. Et attention, ça revient à nouveau dans les pieds liégeois. Une récupération, un tacle proposé par l'Antwerp. De Bruyne. Ah, tu vois, on a joué un peu différemment ici. Hein. Second poteau quand même, mais avec un peu plus de temporisation. Et on a bougé quand même, et ça va aller inscrire ce but de 2-1 pour le standard de C'est vraiment ça qu'il faut faire sur corner. Que si on fait toujours la même chose, pour finir, l'adversaire il peut anticiper facilement. Là, il a vraiment changer son style de jeu, ça a surprise Imet et puis bah ça finit au fond. C'est drôle parce que je suis en train de me dire qu'il y a de cela 2 ans, la grande majorité des corners étaient joués premier poteau justement, oui, mais très 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 proche de, enfin très très proche, oui. Non mais devant, enfin encore plus loin que le cadre quoi. Oui. Comme quoi il y a vraiment des changements comme ça dans la méta. Oh, je me permets de poser une question à l'avance parce que tant qu'on parle de méta, est-ce que tu penses qu'on va retrouver d'un triangle de Vista? Oui. On y reviendra lors du match de Charleroi. Mal la récupération avec Nainggolan. Attal. Mal. Koulibaly. Et à droite avec Buta maintenant. C'est bien vu, hein, c'est bien vu. Je crois qu'il est en position d'enjeu, ouais, effectivement. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour être signalé. Absolument. De Bruyne, Fellaini. Et nouveau malheur, on voit la statistique de possession s'afficher à votre écran, 61% pour l'Antwerp, 39% pour le standard de Liège. C'est des statistiques assez habituelles lorsqu'on affronte Shadow. Oui, c'est vrai qu'il n'aime pas forcément avoir le ballon. Non, non, c'est clair. Ce n'est pas un joueur qui apprécie poser le jeu. Fellaini, De Bruyne, ouais, pas mal vers Diata. Diata qui doit se retourner du bon côté. Cette frappe, je pensais qu'elle avait été contrée. Oui. Et penses-tu que Zimet peut revenir au score? Ah, c'est compliqué comme question. Je pense que ça aurait pu être resté 1-1 et Zimet aurait peut-être mis en difficulté Shadow. Mais là, maintenant que Shadow a réussi à repasser devant, après il va peut-être me faire mentir avec cette action. Surtout qu'on arrive dans les fins de match hein, qui sont un peu les spécialités de Shadow, qui a tendance à proposer de belles qualités, surtout lorsqu'il est mené. Là, il mène au score, c'est pas la position qu'il préfère. Non. Enfin, si, en théorie, si, mais on s'est compris. Où il excelle le plus. C'est le standard malgré tout qui a le ballon ici avec De Bruyne. Tapsoba. Pas mal avec Diata. Et ce contrôle était très étonnant hein, de la part de Diata.
2 buts à 1 toujours, il reste un peu moins d'une demi-heure. Là, j'ai eu un petit peu peur là, quand il est relancé au pied avec son gardien. Ouais, j'ai eu peur aussi. Chong, ouais, Chong qui déborde très très bien là sur Théâtre. Va leur donner le ballon à un coéquipier, ça a été fait grâce au pied de Marouane Fellaini. Pour Nainggolan, Raja Nainggolan. De nouveau, on continue de faire tourner. Peut-être aller sur l'aile gauche maintenant avec Atal et Carrasco. La feinte de Carrasco. Ou plutôt, on a simplement essayé de stopper le jeu sur cette aile. Je reviens sur un dernier élément quand même. Les gestes techniques, toujours très peu utilisés. Ouais, ouais, vraiment juste les basiques. C'est pas plus comme ça. Tout à fait. Même pas de bons vieux drag back, de ball roll. Enfin, si, un petit peu, mais pas de scoop turn typiquement. Non. Mais c'est des gestes qui sont un petit peu moins efficaces cette année aussi. Donc, Non, tout à fait. Même au niveau des feintes, on reste assez. Il n'y a rien de spécialement voilà, qui sortirait de l'ordinaire au niveau des trajectoires. Parce que tu as quand même des possibilités à ce niveau-là. Hein. Oui, il y a moyen de faire des choses. Après, si par contre on a vu l'Hunter qui repositionnait Malheu dans l'axe de la défense. C'est pas déconnant. Hein. Non. C'est clairement pas déconnant. Surtout on sait que Fado aime bien prendre la profondeur. Donc la vitesse de Malheu peut peut-être l'aider à mieux défendre dessus. D'autant plus qu'on analyse les possibilités qu'on fasse monter un joker à la 72e minute de jeu. Donc avoir un Malheu assez rapide dans l'axe, ça peut faire du bien. Je sais pas si t'as vu aussi la statistique en chance de but. Non, j'ai pas vu. Les XG, dont on parlera assez souvent, mais on avait en chance de but 3 du côté du Standard et un peu plus de 1 du côté de l'Antwerp. Donc ça montre bien que même si le match peut paraître assez équilibré, en termes de chance réelle de marquer, c'est quand même le Standard qui est pour l'instant en train de prendre un avantage. C'est une stat qui des fois démoralise un petit peu. Oui. Et je sais pas si. Enfin, il y a parfois des matchs comme ça où on a 7 de chance de but et 1 but marqué. Hein. C'est ça. Mais bon, ça c'est aussi la magie du football. Atal, De Bruyne. Avec Faye. Faye encore. Il n'est pas en jeu là, Tapsoba. Il n'est pas en jeu. Tapsoba Diata qui a failli se retourner face à Malheu qui déjà fait son travail en défense centrale. Il a bien fait de le placer là. Ouais, tout à fait. Si ce n'était pas dans sa position préférée, hein, il était dans un statut de pur défenseur central sur cette action, pardon. Mais malgré tout, c'est à souligner. Fellaini. Carrasco. Uta. Avec Carrasco encore, ce jeu en triangle, Fellaini, milieu central qui propose un peu d'aérer ce jeu et d'aller chercher sur la transversale. Fellaini qu'on voit plus que dans les autres matchs. Ouais, c'est vrai. De plus en plus. Hein. Ça reste un des joueurs dont on cite le nom à quasiment chaque confrontation. Oui. On a vu un seul choix d'aller chercher Tielemans une fois, mais ça s'arrête là. Belle profondeur, je m'attendais pas à ce que Bamba la récupère. Bamba pour le lob. Et Thibaut Courtois. C'est dur de lober Courtois, il est tellement grand que. Après, est-ce que c'était vraiment la meilleure chose? Non, pour moi non. Tu penses qu'il fallait jouer technique face au gardien là? Oui, pour moi oui. Surtout face à Thibaut Courtois en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. En bas, ouais, le tacle d'Atal, il est parfait. Ça lance une contre. Ça lance une contre-attaque, on les aime beaucoup celle-ci. On retente une nouvelle fois une profondeur, mais là on fait face à Koulibaly hein, cette fois-ci. Ouais, c'est pas forcément le plus simple des joueurs à passer. Tout du moins sur une présence physique. Fellaini, ouais, encore Atal. Hein. Atal qui fait son travail ici alors qu'il est aligné en MC hein, depuis un moment maintenant. Il n'est plus du tout en défense latérale. Tapsoba, Diata, et il est hors jeu de toute façon. Aucun regret. Bamba, c'est pas mal avec Openda. La frappe d'Openda sur le poteau. Aïe aïe aïe, on va s'en vouloir. Un manque de réussite hein, du côté de Zimet. Alors, oh, c'est pas terminé. Chong qui va chercher Openda pour Bamba. La frappe de Bamba, ce sera un corner. Toujours 2-1 pour le Standard de Liège. Cette balle qui est donnée immédiatement vers Malheu qui pourra pas. S'il va centrer second poteau, personne pour reprendre ce ballon. On a voulu jouer peut-être un peu trop dans les codes. Et ouais. Ça donne une victoire pour Shadow 2-1. C'était très très chaud cette fois. Je pense qu'il peut s'estimer heureux de la victoire ici. Ah, clairement. Et pourquoi, Xavier? Pour moi, le match était vraiment équilibré. On l'a encore vu avec le poteau de l'Hunter tout à la fin. Je pense qu'un match nul aurait été un score peut-être un peu plus logique dans ce match. Mais j'ai des hésitations quand même parce que comme je vous l'ai dit, on avait j'avais l'impression en tout cas de voir de manière assez récurrente de belles qualités, des frappes peut-être plus imposantes où j'avais l'impression qu'ils avaient plus de chances de rentrer du côté de Shadow notamment dans la première partie de match. Mais plus on a avancé, c'est-à-dire qu'on reste évidemment sur un goût assez étonnant. Oui. La dernière chose qu'on a vu, c'est l'Antwerp qui était à ça de marquer un but. C'est vrai.
Donc c'est clair que ça fait un peu biaiser nos propos. Une chose est sûre, le Standard l'a emporté face à l'Antwerp 2 buts à 1. Et vous avez vu également les deux premiers matchs de cette journée. Le club de Bruges l'a emporté face à Zulte Waregem 3 buts à 0. Et la défaite du KRC Genk contre le KAA Gent. Un match aussi de grande qualité. Deux surprises et le troisième match finalement très équilibré. Ça ne peut que continuer d'être beau. Oui, je l'espère. Avec une autre confrontation qui va nous intéresser entre Courtrai et l'OHL. L'OHL, vous attendez peut-être à Lionel. Je pense que vous allez avoir quelques surprises. À tout de suite. Quatrième match déjà, le temps passe si vite, Xavier, et une confrontation là encore avec... Ok, il va falloir être clair. Sur le papier, c'est Eonel contre Evanse, on connaît. Voilà. Dans la pratique, c'est Eonel contre Evanse, on ne connaît pas. Voilà, c'est vrai que bah voilà, Evanse, c'est vrai qu'on le connaît depuis de nombreuses années, il est toujours du côté de Courtrai et tout se passe toujours très bien. Et c'est vrai que du côté de Louvain, bah Eonel, enfin l'ancien champion de Belgique, a justement quitté le monde de l'e-sport, donc ils ont pris un remplaçant qui s'appelle Wart Goutart. Tout à fait. Donc là, pour le coup, c'est assez étonnant d'avoir un schéma comme celui-ci, un format comme celui-ci, où théoriquement, on va dire Eonel, 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 mais attention, il ne faut pas se tromper, c'est un autre joueur. Hein. Oui. Donc l'ex-champion de Belgique ne fait plus partie de la compétition. Oui, c'est vrai qu'ils ont pris un autre joueur qu'on connaît pas trop, donc on va apprendre à le découvrir tout au long de ces 17 journées de championnat. Absolument. On aura évidemment le temps de le voir. Alors, qui dit nouveau joueur dit potentiel joueur surprise. On sait que Eonel, quand... Ok, Reynolds Kools, du coup, l'ex joueur de Louvain, lorsqu'il est arrivé, on ne l'attendait absolument pas à l'endroit où il a été. Il a fini par gagner contre toute attente le championnat. Ah, ça peut tout à fait être le cas également pour. Ouais, pourquoi pas une nouvelle surprise. Les surprises, on en a même assez souvent. Donc, vraiment, très très fort hâte de voir ce que va pouvoir nous proposer cette confrontation. Et eh bien, on a hâte, tout simplement. Manse, est-ce qu'on peut avoir quelques, je vais pas dire craintes, mais quelques appréhensions? Est-ce que tu penses qu'il va changer de style de jeu cette année, ou tu t'attends non, à peu près aux mêmes choses? Non, je pense qu'il reste toujours le même style de joueur. C'est juste qu'il sort quand même de belles prestations, et peut-être qu'il faut au moins confirmer, en fait. Il a quand même été deux fois demi-finaliste, donc on s'attend quand même à ce qu'il se qualifie pour les playoffs. Tout à fait. Absolument, ça va être une question importante. Après, la nuance à apporter, c'est que, enfin, je dis, j'ai l'impression de dire ça chaque année, pardon, mais est-ce qu'on n'aurait pas encore une fois sur le papier le niveau de compétition le plus élevé? Je sais pas, j'ai une hésitation quand même, parce que, enfin, moi je vois des noms comme ça dans ma tête, je vois des noms comme Gilles. Oui, c'est sûr que sur papier, le niveau de la compétition est très très élevé. Après, chaque fois, il a quand même toujours répondu présent, même. Oui, c'est ça, à chaque fois. Il arrive à élever son niveau aussi pour être dans le top 8. En quelque sorte, c'est un profil assez similaire à Alexander Zimet dans son côté un peu challenger, au point près qu'il a toujours réussi, Manse, à non pas se qualifier par la petite porte, donc oui, les basses positions, mais à chaque fois en étant deuxième, troisième, quatrième. Donc c'est vraiment un joueur assez hors pair. Oui, non, c'est vrai qu'il a fait toujours des belles saisons. On l'attend jamais, mais au final, il répond toujours présent. De Bruyne pour Fellaini. Recherche à nouveau Kevin De Bruyne, Openda, Diata, c'était pas mal du tout. Plutôt bien tenté, mais directement arrêté par la défense de l'OHL qui vient récupérer ce premier ballon du match. Avec BC, qu'on avait déjà l'occasion de commenter durant la Proximity Pro League saison 3. On le retrouve donc. Est-ce qu'on va aussi, ce serait quand même le comble, imagine. On a Eonel version 2 du coup, qui aurait le même style de jeu aussi qu'Eonel version 1. C'est vrai que c'était un des critères de recrutement. Ah, ce serait très drôle. Joli tacle de la part de Courtrai. Alors, ne vous attendez pas normalement à un match particulièrement explosif. Hein. On s'attend à un match assez, pas plat, mais calme, posé, avec une construction lente. Oui, surtout son... Mance, il aime bien poser son jeu pour bien créer ses actions. Et puis après être assez décisif dès qu'il y a une action. Absolument. Atal. Avec Jason Denayer qui va conserver, aller chercher Yann Vertonghen. Yann Vertonghen aussi un choix très très intéressant, Xavier. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit. Oui. Après, il a une carte quand même plus ou moins sympathique, mais il joue au Portugal, donc à part l'entourer de Belges, c'est compliqué de le mettre dans une équipe. Tout à fait, en tout cas dans les conditions qu'on nous impose ici dans cette compétition. De Bruyne pour Openda, décidément lui aussi on le voit vraiment en chaque match, hein. Et finalement une récupération de De Bruyne qui fait son travail défensif dans l'équipe adverse. Thibaut Courtois pour baisser maintenant, aller chercher Mertens.
On va essayer de combiner ici avec Atal. Youssef Atal. Avec Jason Denayer. Denayer encore. Et on va chercher Koulibaly. Donc très tranquillement également du côté de l'OHL. On est en train d'analyser évidemment son style de jeu dès le départ. Est-ce qu'il va jouer un peu à la Manse ou un peu plus à la Shadow? C'est ce genre d'information hein, qui nous manque actuellement. Et donc on va essayer de comprendre. À part ça... Eh bien, pas grand chose à dire pour l'instant, puisqu'il n'arrive tout simplement pas à contrôler le jeu. Alors voilà, Courtrai garde bien le ballon, il fait tourner, il attend justement l'erreur du côté de Louva, mais pour moi il n'y en a pas beaucoup, il y a juste une petite incursion d'Openda, mais on n'a rien vu de plus. Hein. Tout à fait. Marouane Fellaini pour Carrasco, De Bruyne. De Bruyne toujours, qui va conserver ce ballon avec Dan. Dan pour Yann Vertonghen. Et là, ce nouveau débordement, de manière globale, qu'est-ce que tu penses de cette confrontation, Xavier? Bah, c'est vrai que c'est une confrontation assez plate, assez. On voit que Mans, bah, voilà, c'est son style de jeu, on le connaissait. Il garde très très bien le ballon. Après, il se passe pas forcément grand-chose dans ce match-là. Non, c'est clair. Alors que nous avons un petit problème du côté de notre rigide casque que nous sommes en train d'essayer d'arranger, puisque notre télévision vient tout simplement de se couper. Mais nous faisons en sorte évidemment de régler le problème le plus rapidement possible. Donc on va essayer de revenir sur ce match le plus rapidement possible aussi. C'est un message à notre régie, c'est la magie de la diffusion. Ne vous inquiétez pas, pendant ce temps-là, l'occasion justement de proposer quelques attentes sur un classement potentiel. Est-ce que tu crois que l'OHL elle est arrivée ici avec une volonté de se repositionner très très bien dans le classement général? En tout cas, je pense que voilà, ils ont quand même le statut de champion sortant, donc je pense au moins top 8, ils aimeraient bien l'avoir. Après, le souci c'est que c'est pas toujours évident, les places sont chères, le niveau de la compétition est très très relevé, donc y a pas forcément. Voilà. On espère pour eux, mais ça va être difficile. Nous avons retrouvé hein, pendant ce temps-là la qualité de l'image et nous voyons que le ballon pour l'instant est possédé par cette équipe courtraisienne avec Dan, lui aussi qu'on avait pu observer durant les matchs précédents, vous savez bien. Oui, c'est vrai que Dan, on l'a pas forcément encore beaucoup vu, mais après voilà, c'est pas forcément des meilleurs joueurs, mais c'est vrai que les autres années, quand il devait jouer avec tout l'effectif de Courtrai, on le voyait souvent. En mode 90, il était plutôt imposant hein, dans sa surface. Fellaini, attention à bien essayer de proposer quelque chose le plus rapidement possible, parce qu'on sait que la fin de première mi-temps, en général, elle a tendance à être assez explosive avec une volonté de marquer ce premier but, et voici qui est fait. Et c'est très très bien réalisé, mais c'est surtout hors-jeu. Oui, malheureusement c'est hors-jeu. J'adore me convaincre qu'un but est magnifique avant de découvrir grâce au jeu qu'une position d'hors-jeu a été signée. Ouais, c'était même pas... L'action était tellement, on va dire, simple, on ne s'y attendait pas trop, que c'était étonnant qu'il n'y ait pas hors-jeu ou autre. Ça a dû se jouer de peu, je pense, néanmoins. Openda avec Mertens le râteau et Vertonghen qui va tacler, qui va faire son travail défensif dont on attendait. Et Mertens une nouvelle fois bloqué, deuxième, troisième même contre favorable pour Mertens. Enfin c'était le deuxième mais c'est la troisième fois qu'il a donc le ballon. Atal pour Fellaini. On se retourne bien. J'ai l'impression qu'on a un jeu très simple également du côté du joueur de l'OHL, mais pour l'instant on n'a pas encore réussi à se créer une occasion franche. Non c'est vrai que... de manière générale, si on a vu quelques occasions du côté de Courtrai, mais pas forcément énormément d'occasions, juste 2-3 petites occasions, mais sans plus. Tout à fait. De Bruyne pour Mertens. Mertens encore, c'est bien vu. Le Kreuften pour aller chercher potentiellement une frappe enroulée. Le premier tir du côté de Louvain. Oui, c'est... en rouge par contre, si j'ai bien vu. Bamba, attention à Denayer qui va être bien positionné pour récupérer ce ballon. Second poteau, la frappe de Bamba, une nouvelle fois Denayer positionné sur cette trajectoire. Et c'est la fin de cette première mi-temps sur pour l'instant donc un score de parité, 0-0, aucun but marqué. Et de manière générale, hormis la position d'enjeu et cette frappe récente, on n'a pas vu grand-chose. Non, mais ça ne m'étonnerait pas que ce match se finisse sur un match nul. Mais c'est souvent période, le cas hein, avec Manso. Oui, c'est vrai qu'il aime bien le... Bon. À 0, ça lui va bien comme score. Non, c'est clair. Donc à voir comment ça peut encore se passer. On regarde aussi les formations, notamment d'un côté c'est étonnant ça. On propose un 4-1-2-1-2. Oui. C'est une formation qui de base est plutôt offensive, donc on veut pas garder ce nul. Hein. Oui, bah, il se dit peut-être qu'il doit prendre des points contre Louvain. Donc il va peut-être essayer d'en prendre. Oui, c'est clair.
Après, peut-être qu'il va juste essayer de faire 1-0 et puis tout simplement rechanger de dispositif. Ouais, c'est possible aussi, tout à fait. On voit qu'on est sur un 4-2-3, on fait des changements tactiques assez lents. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore spécialement convaincu sur les changements qu'on veut faire à ce stade du match. C'est peut-être un manque de préparation ici aussi. On a encore évidemment le temps. 15 secondes sont laissées encore à notre nouvel Lionel. Et le match va pouvoir reprendre avec un engagement justement pour les Noirs et Blancs. De Bruyne et Fellaini. Et maintenant Jason Denayer. Traoré. Pour Yannick Ferreira, Carrasco, que lui aussi on voit. En fait, il y a globalement 4-5 matchs qu'on voit. 4-5 joueurs, pardon, que l'on voit à chaque match. Notamment aussi Chong, que l'on voit rentrer à chaque seconde mi-temps. Et qui a un potentiel assez important pour aller créer du décalage dans la défense adverse. Il a à chaque fois fait le travail quand on l'a vu monter sur le terrain. Marouane Fellaini. Avec Dan. Dan pour Fellaini à nouveau. Denayer. Mal. L'air de rien, ce match, il avance. Mais la possession, elle est quand même vachement axée sur Courtrai. Alors même si j'ai l'impression que le joueur de Louvain n'a pas l'air d'être spécialement d'un style différent, on sent qu'on garde le ballon quand même plutôt du côté des rouges et ça veut peut-être payer sur cette occasion. On n'a pas eu le temps de frapper. Non, malheureusement, une petite incursion dans le rectangle n'est pas suffisante pour ouvrir le score. Fellaini encore et revient en retrait sur Thibaut Courtois. Atal, Openda, pas le plus beau match qu'on ait vu aujourd'hui hein, encore une fois non plus. Non pas spécialement dans le sens où c'est un match moche où il se passe des choses bizarres. Non, c'est simplement un match qui est extrêmement lent et dans lequel les deux joueurs ont plus tendance à s'observer. Oui, et puis après c'est le début de la compétition non plus. Les deux joueurs n'ont pas forcément besoin absolument d'aller chercher les 3 points. La compétition est encore longue. Donc un point en début de championnat comme ça, c'est pas non plus des mauvais résultats. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Encore une fois, un râteau, hein. Rien à dire des ratons, on en aura vu et encore revu hein, dans cette première partie de compétition. Diata encore et il va réussir le grand pont de manière assez étonnante d'ailleurs. Mal, Fellaini. C'est aussi c'est un point intéressant, on va y revenir un petit peu plus tard. Atal, Openda, la frappe d'Openda, ça revient dans ses pieds. Décidément, le nombre de contres qu'on a qui reviennent aux porteurs du ballon dans ce match. Attention à Diata, la petite fin de Diata pardon, pour s'ouvrir sur Chong. Chong encore, Chong toujours et beaucoup trop d'espace à mon goût. Hein. Quasiment aucun pressing, Openda qui va revenir et la frappe par à terre de Manseu. Alors là, honnêtement, j'ai eu l'impression de voir un laxisme défensif du côté de Louvain. Après, au final, on le voyait venir. Enfin, depuis, ça fait presque 10 minutes qu'on restait dans le rectangle de Louvain. Le goal, il devait tomber. Ah là, franchement, je suis assez consterné hein, par ce qui vient de se passer. Parce que vraiment, Chong, les gestes techniques qui ont été proposés par Chong dans cette surface de réparation avant l'enchaînement évidemment qui a mené au but, notamment avec la passe en retrait, le tir à terre, aucun défenseur qui allait dessus. Hein. Non. C'est-à-dire que c'est même pas la qualité du geste, enfin un petit peu évidemment quand même, mais c'est surtout qu'il avançait. Ça, et on peut pas l'arrêter. C'est vraiment ça. Donc attention à ça, hein. Du côté de l'OHC, il va falloir se réveiller. Surtout qu'il reste encore 25 minutes de jeu pour créer quelque chose. Et on a notamment tenté d'aller chercher Chong ici, sur une sorte de profondeur. Il a été retrouvé. Et la frappe qui va être compliquée avec un défenseur qui a bien taclé. Moi, ça m'étonnerait pas de voir une victoire de Manson. Maintenant qu'il a réussi à ouvrir le score, je pense qu'il va garder extrêmement bien le ballon. Et vu que Louvain n'arrive pas à être très dangereux. Après, on peut pas dire que tu te mouilles beaucoup en disant ça hein, lorsqu'on voit la physionomie du jeu. Je retire totalement ce que je viens de dire. Quelle profondeur exceptionnelle pour aller chercher Bamba ici. Aïe aïe aïe, c'était magnifique, Jonathan Bamba. Comme toujours, il suffit d'en parler pour que. Ah, encore, on parlait de chirurgical durant le match précédent ou durant il y a deux matchs. Mais là, franchement, ça a pris 2 secondes pour aller chercher une frappe comme celle-ci, quasiment lucarne. Et du laxisme en défense du côté de Mans. On n'est pas habitué de sa part. Est-ce qu'il s'était pas habitué à voir pratiquement aucune occasion adverse? Il s'est laissé peut-être endormir, peut-être un petit peu. Je pense. Vraiment un match très intéressant à analyser, hein, je trouve. Mais il m'a pris le cours sur cette passe en profondeur. Très puissante, très tranchante. On voit que c'est pas la première fois qu'il essayait de proposer quelque chose comme ça. Et c'est la première fois que ça fonctionne. Et immédiatement, on arrive à aller inscrire ce but. Rien à dire, c'était excellent. Maintenant, il faut réussir à reproduire ça du côté de Courtrai, du côté de Louvain. Une chose est sûre, ton pronostic, Xavier, finalement, il s'est fait bien avoir. Non, c'est vrai.
Après, au final, un match nul, ce ne sera pas non plus illogique dans ce match-là. Ouais, bien sûr. Fellaini. Marouane Fellaini qui revient vers Attal. Le râteau, Fellaini à nouveau. Ouais. Là, on va de nouveau rentrer dans un schéma de temporisation. Hein. J'ai l'impression qu'on a rendu ce ballon à Dan qui était bien placé pour une interception de cette passe. Diatta qui revient vers Chong. Chong qui jouait ici du côté de Courtrai de manière beaucoup plus basse. Hein. J'ai l'impression que dans le camp adverse. Ou alors on lui a donné un rôle très libre. Ouais, il est fort bas quand même. Ouais, c'est ça. Enfin, il était descendu fort bas là. Il est de nouveau beaucoup plus haut. Vertonghen, Dan. Est-ce que ça venait pas justement de Vertonghen l'erreur défensive sur le but marqué de Louvain? J'ai l'impression qu'il ouvre un petit peu trop l'axe. Openda pour Chong à nouveau. Openda dans la surface de réparation. Attention à ne pas trop laisser l'équipe courtraisienne s'imposer dans le rectangle. On a fait quasiment un piège du hors-jeu là. J'avais l'impression de voir tout le bloc monter d'un coup. Chong toujours est Traoré, heureusement, qui vient dégager ce ballon en corner. Mais qu'est-ce qui vient de se passer encore une fois? Ouais, puis à la fin, en fin d'action quand même, on a vu Manis qui chie peut-être un petit peu trop sur le côté avec Chong. Ah ouais, 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 tout à fait. 1-1, 82e minute de jeu. Là, on peut le dire, Xavier, on est très 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 proche de la fin de ce match. Oui. Un corner pour ouvrir un nouveau poteau. La tête de Fellaini, peut-être. Second poteau. Ah, je sais pas. Après, on voit qu'il a fait monter le gardien, quoi. Enfin, qu'il a avancé le gardien pour essayer d'éviter les corners tirés en entant. Openda, Attal, Openda. Enfin, ça ne sera pas second poteau. On est bien bloqué hein, par Chong ici. 83e. Le retour vers Mertens et Dan. Les deux qui ont été choisis pour rester en défense sur cette position. De Bruyne, Fellaini, Openda. Elle était puissante, hein, cette passe de Fellaini vers Openda. Qui va rentrer dans le rectangle, rechercher Fellaini. Très belle passe pour Mertens. La frappe. La frappe de Mertens. Elle était belle. Ouais. Très belle frappe à rater ici. Croisée à ras du poteau. C'était d'une puissance phénoménale. Il manquait vraiment pas grand chose pour qu'elle finisse au fond. Après, on le voit ici, c'est des joueurs peut-être un petit peu plus faibles qu'en Moon de Nantes. Donc, ce genre d'action, bah, de temps en temps, ça ne finit pas au fond. Ouais, absolument. Beaucoup de tirs à terre d'ailleurs. Ouais. Je pense que c'est intéressant de le souligner depuis le début de cette journée de compétition. Traoré. Koulibaly. Traoré. Il pousse bien ce ballon en bridge pour rechercher Deneyer et Attal. 89e, la dernière occasion sera probablement pour Louvain. Comment est-ce qu'elle sera négociée? Traoré pour Carrasco. Ça s'est joué de peu, le râteau était très intéressant. Il se retourne bien, il se retourne même très 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 bien. La fin de la croquetta, s'il vous plaît. On commence à jouer technique, double croquetta du côté de Carrasco. Et la tentative de frappe arrêtée par Ian Vertonghen. Il aura fallu 4 matchs et 90 minutes dans le 4ème pour avoir une croquetta, Xavier. Ouais, c'est vrai qu'à la fin c'était un petit peu chaud dans le rectangle de Courtrai. Très très chaud. Donc un score de parité, 1-1 entre Courtrai et Louvain. D'après toi, est-ce que c'est logique? Pour moi, c'est assez logique. On a vu quelques actions quand même. Je veux dire, avant la dernière action, on aurait pu dire peut-être que Mainz avait une ou deux actions en plus, mais sur l'ensemble des 90 minutes, pour moi, c'est un score logique. Oui, il y a eu un petit changement de physionomie hein, durant la deuxième mi-temps. On a senti un Louvain un petit peu plus à l'aise, notamment, et ça c'est étonnant, à partir du but en fait qui a été marqué par Mainz. Je pense que à partir du but de Mainz, ça a réveillé un petit peu Louvain. On est parti d'un 3-0, donc 3 buts d'écart, puis 2-0, 2 buts d'écart, 1-2, 1 but d'écart, 1-1, 0 but. Maintenant, on va repartir dans l'autre sens alors. Normalement, on retourne dans l'autre sens, effectivement. On a hâte de voir ce que ça va donner, mais on se rapproche de plus en plus de l'équilibre, Xavier, et c'est peut-être bien pour le suspense. Ouais, c'est vrai qu'on a des matchs assez ouverts, avec des surprises. C'est pas forcément. Voilà, ça reste des matchs très plaisants. Le match qui va suivre, c'est un match entre Charleroi et Ostende. Et si on était durant la saison précédente, on pourrait se dire Charleroi-Ostende, Charleroi favori à 100%. Mais attendez de voir qui joue pour Ostende cette année. On voit ça tout de suite. Cinquième confrontation du jour, nous sommes donc en plein milieu de cette première journée de Proximity Pro League saison 4 2021-2022. À l'affiche dès maintenant, Charleroi contre Ostende. Ouais, Charleroi, une belle affiche hein, d'ailleurs, du côté Florian Van Damme, à jour, qui était déjà là l'année dernière du côté de Charleroi. Il a fait de bonnes performances. Je pense qu'il avait été éliminé en demi-finale. Demi-finale. Donc franchement, top 4, c'est vraiment top pour lui. De l'autre côté, Brian, du côté d'Ostende. Un joueur qui avait un petit peu disparu des radars, mais qui était très très fort il y a de nombreuses années sur FIFA. Donc on a hâte de voir ce qu'il peut faire à l'heure actuelle.
Tu l'as très bien dit, hein. Brian Mouillard, il fait partie des légendes de cet e-sport belge. Alors, il y a fort longtemps, pour être exact, c'était en 2008, 2012 et 2016 qu'il a été champion de Belgique. Alors, à l'époque, il n'avait pas encore de sacralisation comme on en a aujourd'hui avec Proximus et avec Eleven, mais... Malgré tout, on avait des petites compétitions comme ça qui se révélaient nationales et qui permettaient quand même d'avoir un championnat, un vrai championnat de Belgique à l'époque. Puis à côté de ça, il a quand même participé aussi à la World Cup sur FIFA. Il n'y a pas beaucoup de Belges qui peuvent dire, à part Stéphane Opina et peut-être lui, peut-être Gilles une fois, et encore. Je ne pense pas. Donc je pense qu'à part Brian et Stéphano, il n'y a personne comme Belge. Donc c'est quand même une très belle performance de sa part, même si c'est il y a de nombreuses années. C'est ça, et c'est l'ancienne génération, et d'habitude, lorsqu'on parle d'ancienne génération, on les attend à les voir en tant que coach, en tant que commentateur, exactement sur les sièges qu'on occupe actuellement. C'est le cas par exemple de légendes comme Bruce Granet, qui a fini commentateur du côté français, mais ici... Et là, il a décidé de continuer, il n'a pas décroché de FIFA, il est de retour, il veut représenter au stand et au défi aujourd'hui, faire mieux que l'année précédente, ce qui n'est en théorie pas si difficile que ça, vu que Kaeli, l'ancien joueur, avait vraiment raté sa saison. Oui, c'est vrai qu'il a raté sa saison, et puis au stand voulait aussi un fan du club, et c'est vrai qu'il a quand même un fort attachement entre Brian et au stand. Et puis voilà, un fan qui est aussi fort que lui, ça se refuse pas. Ça ne se refuse pas. Reparlons quand même un petit peu de Dista, de Florian Van Damme, qui est également un joueur de grande qualité. Oui. Mais attention quand même malgré tout, c'est un joueur méta. Est-ce que d'après toi, il a eu le temps d'assez expérimenter le jeu pour qu'on puisse se dire, ok, il est prêt, il est fin prêt pour cette proximité. En tout cas, je sais pas s'il va être fin prêt déjà pour ce match-ci, en tout cas certainement, mais... Plus la compétition va avancer, plus il va être redoutable, je pense. Ouais. C'est exactement le profil. On sait que Didista, c'est aussi un joueur avec de grandes, très grandes, très très grandes qualités offensives. Hein. C'était le troisième de la compétition régulière derrière Zeyror et Geoffrey Megou, qui tous les deux ne font plus partie de la compétition durant la saison précédente. Et le meilleur buteur du championnat. Oui. Le seul à avoir marqué plus de 50 buts sur l'ensemble de la compétition. Hein. En 17 rencontres. On se rappelle du diable de Shamar Nicholson. Oui. Ça fait quand même une moyenne de plus de 3 buts par match, plus ou moins. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. C'était là une des grandes statistiques de Didista. Et puis, quand on pense à Didista, on pense également au L1 Triangle. Et on en parlait, visiblement, pas de L1 Triangle. Non, pas tout de suite. En tout cas, pas son engagement. C'est vrai que j'ai remarqué aussi que... Bon, j'ai déjà eu l'occasion de commenter quelques tournois avant ce championnat de Belgique. Et j'ai pu déjà remarquer, effectivement, que les goals comme ça, son engagement, les KSA, ils sont un peu moins fonctionnels que l'année précédente. Oui. On envoie de moins en moins, plus années passent, moins on envoie. C'est clair. Buta qui vient essayer de lancer une potentielle profondeur pratiquement faite ici. Les compositions, on n'a pas spécialement eu l'occasion d'en parler. On va les voir évidemment au fur et à mesure du match. Mais ici, et c'est là que c'est drôle, on retrouve Richie Delatte, le joueur de l'Antwerp, qui est joué du côté de stand. Ouais, c'est vrai que Kouklaïf, il a une carte intéressante en tant que défenseur central. Niveau belge, il n'y a pas forcément beaucoup mieux. En tout cas de Pro League, c'est sûr. Voilà. En Belge, ça évidemment, c'est toujours, c'est toujours un peu les affinités de chacun en fonction et du collectif dont ils ont besoin pour construire leur équipe. Zahouri encore. Cette passe était peut-être un peu trop longeante le long justement de cette ligne de coup de pied de but. De Latte pour Koulibaly et Ndika Matam, que l'on cite donc pour la première fois de cette compétition. Les deux joueurs d'Ostend choisis sont donc les deux latéraux, je suppose. Oui. Non, de l'autre côté, c'est un joueur de l'Antwerp. Buta, il joue à l'Antwerp. Ah oui, my bad, tout à fait. Ah, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur une composition très pro-league. Oui, d'Ostend, en fait, ils ont pris le latéral gauche et le milieu gauche. Ok. Intéressant, très intéressant. Enlique Matam, my bad, hein, petite erreur à ce niveau-là de ma part. Je me suis fait avoir de latte. Buta, c'est vrai qu'en plus, on l'a vu, Buta, dans le match de l'Antwerp. Lukaku vers Daz, c'est pas mal du tout ça. On a eu Dan, on a Daz maintenant. C'est ça. Décidément, il y a pas mal de raccords qui sont potentiels entre les différents matchs, hein, Xavier. Après, c'est vrai que je pense que c'est pas toujours évident pour Ostend de trouver deux bons joueurs du club compétitifs. Donc Roby Daz et Ndika, c'est peut-être les moins pires et ceux qui peuvent lui apporter un petit plus quand même. Tout à fait. C'est-à-dire que je vais peut-être pas aller jusqu'à dire les deux ailes. Carrasco pour Koulibaly qui vient dégager, mais des deux côtés, on a des joueurs de Pro League pour Ostend. On va voir si ça va être fonctionnel pour l'instant. Le ballon est Carolo avec Jonathan David pour Delatte. Également d'ailleurs sollicité du côté de Charleroi. Deneyer, la feinte de Deneyer et cette frappe arrêtée finalement par un corps d'Ostend.
ça se relance immédiatement avec Lukaku. Pour... Après, il y a déjà beaucoup de joueurs de Charleroi qui sont dans leur partie de terrain, donc normalement ça devrait aller pour défendre. On prend pas trop de risques, il n'y a pas beaucoup de joueurs de manière générale dans la section offensive également. Hein. Bailey, c'est pas mal du tout, on revient presque en retrait, ça récupéré par Mertens. Mertens qui peut potentiellement tenter de tricoter ici dans ce rectangle, mais sans résultat. Sans résultat, effectivement. Bon, pour Mertens à nouveau, exactement la même posture. On joue le second poteau et c'est De Neuer qui vient se lever. C'est pas la première fois que je vois De Neuer récupérer des ballons sur corner. Attention à cette balle un peu Il est assez fort de la tête, donc c'est pas non plus étonnant. Mais c'est peut-être aussi voilà, si on voit certains joueurs jouer avec lui et pas un autre défenseur central, c'est peut-être grâce à cela. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que si on a joué aussi De Latte du côté de Charleroi, ça veut dire qu'on propose De Neuer, De Latte en défense centrale. Du côté Carlo, donc on n'aura pas de Koulibaly par exemple. Ça te permet par exemple d'avoir Thibaut Courtois à 100% de collectif. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ne pas avoir besoin de faire comme ce joueur qui nous avait proposé Mats Sels en entrée de jeu. De Bruyne, Fellaini, De Bruyne pour Koulibaly, Ndi Kamatam. 27e minute de jeu, nous approchons de la fin de cette première demi-heure et pour l'instant je dois bien dire que hormis une ou deux occasions... Je dirais plutôt une ou deux incursions assez intéressantes, nous n'avons pas vu grand chose. Non, c'est un match, je ne vais pas dire assez stérile, mais voilà, on a vu des phases de jeu, mais pas de grosses actions qui auraient pu vraiment mener à but. Fellaini, il a failli réussir à aller trouver un soutien dans cette attaque. Bamba, pas mal, et c'est pas mal du tout, mais encore une fois, même idée, c'est la défense centrale qui aura le dernier mot. On propose tout doucement des petites... passe un peu plus puissante, d'un peu plus loin pour aller créer la surprise sur un éclair de génie. Peut-être ici sur l'aile droite, ça peut être intéressant. On va essayer de déborder, revenir en retrait. Mais finalement, c'est Charleroi qui récupère. Je trouve que vraiment le match s'accélère des deux côtés. Tout doucement. Est-ce que tu penses que c'est l'effet... on quitte l'euro d'observation qui aura duré du coup 25 minutes pour arriver dans cette fin de première mi-temps? Oui, et puis je pense aussi que les deux joueurs ont envie peut-être de faire la différence pour après pouvoir contrôler le match. Statistique très puissante qu'on a vu, hein. La possession est très équilibrée, mais le plus important à retenir, c'est zéro tir cadré des deux côtés, donc on ne peut tout simplement pas marquer si on ne tire pas dans le but. Ça devient très compliqué. C'est malgré tout arrivé, hein. N'oublions pas quelques péripéties des années précédentes. Il n'empêche que Fellaini, De Bruyne, et dans la récupération de Marouane Fellaini avec Jonathan David, elle est belle. Elle est très 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 belle, elle est magnifique, elle est parfaite, il faut aller la mettre au fond celle-ci. La finition synchronisée verte qui était également très bonne, mais quel arrêt. C'est vrai qu'il y a peut-être mieux à faire du côté de Charleroi. Ouais, c'est compliqué pourtant de savoir quoi, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait tant d'erreurs que ça, c'est vraiment le 1 contre 1 qui a été remporté par le gardien. Un 1 contre 1 comme ça, petit ball roll toi, simplement pour s'écarter, et puis la frappe ça fonctionne bien. Après si Brian elle avait anticipé aussi, ça aurait pu ne pas finir au fond non plus, quoi qu'il arrive. Les 1 contre 1 comme ça, c'est toujours délicat. Ouais, surtout cette année. Hein. Voilà. Surtout cette année, ce genre d'1 contre 1 qui ont tendance à... Qui a tendance, pardon, à... C'est le genre d'action où tu te dis... C'est tellement simple que t'as un peu la pression de rater aussi. Et faut faire le bon choix. C'est clair. Limite, c'est plus simple de défendre que d'attaquer sur ces actions-là. Bah, c'est vrai qu'en tant que gardien de but, t'as pas grand-chose à faire, hein, toute honnêteté. Si ce n'est bouger un petit peu le gardien pour définir si on préfère une trajectoire à droite ou à gauche. Ou si on anticipe, en tout cas, le cas chez l'adversaire. Ndi Kamatam pour Koulibaly et on change d'aile immédiatement. J'ai remarqué aussi une constance de jeu entre les différentes... Par contre là il a eu un petit peu... Il est confiant quand même de faire une transversale comme ça avec Koulibaly. Hein. Tu trouves? Mais il a quand même... de mémoire c'est genre 29 ou 39 en passe. Ah oui. C'est... Attention à Mertens ici pour Daz, la frappe Daz, mais ça tu vois je pensais qu'il avait quand même un peu plus que ça Koulibaly en passe. C'est vraiment... C'est vraiment chaud. C'est vraiment son point faible. Ah mais ça pour le coup, mais après il rattrape beaucoup, hein. Lorsqu'on a le physique, on a la défense et on a la vitesse Ouais c'est pour ça, après si tu joues des passes simples, il n'y a aucun souci, hein. Mais c'est vrai que des fois des transversales comme ça, ça je vais essayer de porter attention. S'il arrive à mettre son curseur sur Koulibaly, je le verrai peut-être. Ah j'ai pas eu le temps de le voir. Ah c'est pas facile, bon pour l'instant là peut-être que Xavier va lui donner l'information exacte. Mais c'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment chaud, j'avais pas du tout remarqué. Après c'est un joueur que je ne joue pas personnellement, donc ça n'aide pas évidemment. Mais j'avais retenu ces qualités, bien évidemment, qu'on connaît à peu près tous. Mais c'est vraiment très étonnant.
0-0 donc à la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, un match assez équilibré. Et qui est même 54 en passe. Ah, 50, mais... je me dis, c'est. N'est-ce pas beaucoup plus, non? Oui, mais quand même, 30. Mais 30 en tir. Je commence à avoir peur. Oui, 30 en tir, ça me paraît quand même cohérent parce que. Faudrait pas exagérer, mais. Ok, je commençais à avoir un peu peur parce que 30 en passe, c'est quand même assez chaud pour un joueur de cette classe. Allez, Jonathan Bamba pour Openda avec David derrière. Il va récupérer ce ballon. L'enchaînement de contre qui a failli revenir dans un pied de Charleroi. On a vu une synchronisée rouge, donc dans tous les cas, aucun regret. On va continuer ici, aller chercher De Bruyne. Ah, ça jouait vite. Donc, ouais, il y a peut-être moyen de faire des choses sans constamment essayer d'aller chercher le second poteau. Oui, ouais, ça. Je pense quoi qu'il arrive, il faut de temps en temps, hein, parce que ça fonctionne très bien, mais il faut varier son jeu, parce que sinon l'adversaire anticipe. La récupération encore une fois du côté de l'Ostende, c'est une perte de balle, Fellaini qui peut se relancer sur De Bruyne, Carrasco qui récupère un enchaînement de pertes, ou plutôt de récupération de ballon dans le milieu de terrain, Fellaini, bien vu, pour aérer un petit peu le jeu sur Ndiaye Kamata, mais Koulibaly va-t-il faire une passe? Ah dommage, j'attendais une passe levée du coup, j'aurais bien aimé que ça fasse écho avec nos propos précédents. Et on va commencer à refaire tourner. On a failli vouloir aller jouer vite, mais ça n'a pas marché. Non. Bamba. À droite, cherche Fellaini. Qui avance tout doucement sur le terrain. Et très très belle profondeur. On vient occuper cette aile droite, revenir dans la surface de réparation. Et encore une fois, Bamba qui a failli reprendre le ballon après un contre. Hein. Oui. Mais s'il a fait la passe justement avec son mauvais pied, c'est ça qu'on voit. Il aurait fait la passe justement avec son pied droit au lieu de son pied gauche. Elle serait peut-être arrivée à destination. Tout à fait. Putain pour Delat. Et hop, on est reparti dans l'autre sens avec Ndiaye Kamata. Toujours les transversales, ouais, en défense. Qui fonctionnent bien, franchement. Cette année sur FIFA 22, les transversales sont, on va dire, un peu plus efficaces, même si ça reste qu'une passe que les années précédentes. Ouh, on avait un temps d'écart là entre Delat et Lukaku. Heureusement qu'on ne parvient pas à le concrétiser. En tout cas, heureusement pour Charleroi, qui se relance d'ailleurs avec Jonathan David. On voit que là il y avait une profondeur à donner, il l'a vu, il a très très bien vu Openda qui a failli reprendre ce ballon, il y a eu une petite obstruction physique. Hein. C'est le joueur de duel, c'est une chance sur deux. Ah ouais. Vraiment. Attention à Carrasco ici qui est reparti, rentre dans le rectangle, revient vers De Bruyne. On n'a pas vu beaucoup de frappes de loin de De Bruyne d'ailleurs, hein. Carrasco et Attal qui va reprendre. Bah même Carrasco, je pense quand il était vraiment au coin du rectangle, il aurait peut-être pu essayer une enroulée. Tu penses que c'est un manque dans le jeu des joueurs aujourd'hui? Bah en tout cas aujourd'hui on n'a pas vu une seule, alors que c'est une mécanique qui fonctionne tellement bien. On a peut-être peur du manque de statistiques de nos joueurs, on n'est pas sur une team. Ouais, après ici c'était quand même avec Carrasco par exemple. Ouais. De Bruyne, une enroulée, je vais pas dire que 9 fois sur 10 c'est goal, mais allez, au moins 8 ou 7 fois sur 10 c'est goal. Ouais, non, je comprends, tout à fait. Parlant de De Bruyne, c'est lui qui est porteur du ballon actuellement, qui revient vers Ndiaye Kamata, peut-être pour repiquer vers le centre. On a perdu d'être le cas. On préfère concentrer le jeu sur l'aile gauche. Et là, il y a eu un beau débordement. Joli pressing de la part de Fellaini, de la part de Charleroi. Avec Bamba. Qui peut aller chercher Fellaini à nouveau. Peut-être pour une passe en retrait ici. Parce que j'ai l'impression qu'on est bloqué. C'est pas Fellaini qui va aller déborder sur une aile droite. Non. Enfin, quoique, il est rapide avec sa carte ici. Hein. Surtout avec, si on lui met carte priseur de règles. C'est vrai que c'est ça tout le monde, très intéressant. Ouais. Bah ça brise les règles. C'est là tout le principe. Putain, pour Attal avec Fellaini encore, De Bruyne. Bah ouais, j'allais dire typiquement là on peut frapper, mais non, faut pas exagérer non plus. Ne poussons pas le bouchon trop loin. Ndiaye Kamata, mais vraiment il se passe aucun tir, hein, Xavier. On a vu un seul tir. Ah, venez me faire démentir, presque ici, avec Lukaku qui se heurte à Delat. Je crois qu'on a eu deux tirs depuis le début du match. Après, c'est souvent comme ça les matchs avec les joueurs de. Je me permets d'interrompre dans son Xavier parce que là, on a une occasion très importante pour Charleroi. Oh, la frappe de David qui arrive sur le poteau face à Thibaut Courtois. C'est pas terminé. Openda récupère la frappe d'Openda. On aurait aimé un Cruyff Turn, on aurait aimé revenir en arrière. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire mieux sur cette phase de jeu. Clairement, parce que là pour le coup c'était très 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 dangereux. Je ne sais plus du coup de quoi tu parlais Xavier, mais c'est le moment. Tout simplement que les matchs avec des très très bons joueurs, on voit souvent rarement beaucoup de tirs. Ils attendent vraiment d'être dans la bonne situation pour frapper et être quasiment sûr et certain que le ballon finira au fond des filets. En tout cas, là c'était encore une fois très dangereux l'occasion qui a suivi. Franchement, je commence à tout doucement croire qu'on pourrait avoir quand même un petit but dans la 10 dernières minutes. Ah pourquoi pas, c'est vrai qu'en tout cas on s'en rapproche. Hein. À Carrasco. Ndiaye Kamata, et décidément j'ai l'impression de ne citer que ce nom, hein, dans l'équipe d'Ostende. Revient vers Richie Delat.
De nouveau Nick Amatam. Et là on temporise bien. Et de nouveau, c'est le même joueur. Hein. C'est là qu'on sent que la petite rapidité augmentée à Fellaini lui fait du bien. Hein. Ouais, c'est vrai que non, ça reste vraiment un excellent milieu de terrain avec cette version. Très complet hein, du coup. Fellaini, de l'autre côté cette fois-ci. Avec De Bruyne, Lukaku. Lukaku qui peut peut-être réussir à concrétiser ses qualités de buteur, mais pas du tout. C'est une récupération du C fatal avec Bamba maintenant. On va rechercher David et la profondeur elle va être donnée. Est-ce qu'elle sera donnée? Non, elle ne sera pas donnée finalement. On va chercher les droits. Elle est magnifique. Elle est splendide. C'est encore une occasion pour Charleroi. Et l'arrêt de Thibaut Courtois. Il a quand même quelques occasions franches. Charleroi, il les met pas au fond. Il sera pas forcément très très bien payé avec un match nul. Et la frappe derrière également. Après, celle qui a précédé celle-ci, hein, juste avant le corner, malgré tout, je l'ai pas senti aussi importante que celle d'avant. Non, mais après, ça reste quand même des face-à-face, enfin, plus ou moins des face-à-face avec le gardien. Il y en a au moins une qui doit finir au fond. Tout à fait, 5 tirs à 1. Aussi un élément à prendre en compte, c'est Chang qui est trouvé. De là, le match est clairement en train de tourner à l'avantage de Charleroi. Hein. Oui. Très clairement, le temps David pour Openda, c'est pas mal, c'est même très bien, encore la même position, et encore une fois, ça va sortir. Allez, là, on n'arrive pas à mettre ce ballon au fond des filets. Je pense que Brian peut remercier son Thibaut Courtois. Et je pense qu'on va abandonner David pour les matchs prochains, du côté de Charleroi. Toi, là, quand même, ça qui étonne le pied. Oh non, oh s'il vous plaît, Chang, Chang entraîné par Donat qui tacle le bon. Excusez-moi, là, pour moi, c'était but, hein. Ouais. Oh mon Dieu. Bon, ça vient rattraper le manque de réussite de Charleroi, mais ouais. Ça se doit rentrer 100 fois. Hein. Ouais, ça aurait été quand même un hold-up. Hein. Un sacré hold-up de la part d'Aurélien Bouillard. Hein. Ah, ben franchement, je n'ai pas compris cette fin de match, Xavier. Non, c'était un peu fou. Hein. C'est vrai qu'ici on a un match nul, mais pas forcément un match nul logique au vu de la rencontre. Non, non, pas du tout. Alors que, encore à la première mi-temps, oui. À la première mi-temps, 0-0, c'était cohérent, quasiment aucun. C'est vrai qu'on a vu une deuxième période quand même nettement à l'avantage du Sporting de Charleroi. Tout à fait, et même à la fin, alors à la limite, au moins que quelqu'un marque un but. Ouais. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de but après autant d'occasions franches en face à face, ça me paraît, mais. C'est fou. Incroyable. On va dire que c'est le début de la compétition, les joueurs sont pas encore très chauds. Ouais. En tout cas, les buteurs ne sont pas encore très chauds. Par contre, j'ai l'impression, tu te souviens qu'on avait dit 3, ouais. 2, 1, 0, et bien il faut d'abord repartir d'un bon sens. Donc on stabilise à 0 pour l'instant d'écart. Ouais. Donc j'espère qu'on verra des buts lors de Eupen Verschoot qui va suivre. Ouais, tout à fait, Eupen Verschoot. Alors, encore une fois, de base, c'est une affiche qui, l'année précédente, aurait pu être de bas de classement général, avec un Eupen et une équipe de Verschoot qui étaient dans les 14-15e positions. Cette fois-ci, j'ai l'impression que surtout d'ailleurs du côté de Penn, on pourrait créer quelque chose de très dangereux. Ouais, c'est un très très bon joueur, donc je pense qu'on devrait avoir un beau match. Et ça, on va vous en parler tout de suite. Et nous y voici, nous avançons progressivement dans ce planning de cette première journée, avec donc, je vous l'avais dit, une confrontation très intéressante entre Eupen et le Verschoot. Bah, vraiment très intéressante de côté de Penn. Ulix, un joueur qui était souvent bien dans les tournois de qualification pour représenter un club, mais était jamais choisi, donc cette année il a la force de représenter un club, donc on va voir ce qu'il peut faire. Et de l'autre côté, du côté du Verschoot, c'est un joueur qu'on connaît un petit peu moins, il faisait partie de l'équipe club pro du Verschoot, et donc le manager du Verschoot lui a dit bah, t'as envie de nous représenter, donc il a accepté le défi, et on va voir de quoi il est capable. Tout à fait, une sacrée aventure d'ailleurs, hein, ce club pro du Verschoot. On sait qu'il y a d'autres clubs qui s'y sont mis, hein, notamment Charleroi qui a créé son pôle club pro il y a peu. Donc tout à fait intéressant de voir les qualités évidemment de ce joueur. Moi personnellement en tout cas j'ai hâte. Ouais. Et tu l'as dit, du côté adverse, du côté de Penn, on a un certain Ulix. Ulix, on le connaît honnêtement très très bien sur la scène francophone. Mais peut-être pas vous, pour la simple et bonne raison que c'est un joueur qui n'a pas encore été énormément médiatisé, mais qu'on connaît pour son niveau de jeu en Belgique. Oui, souvent bah, il répond présent quand il participe à un tournoi, c'est juste qu'il n'a pas eu l'occasion et l'opportunité de représenter un club, ce qui est chose faite cette saison. Donc voilà, c'est à lui de répondre présent dans cette compétition. Ouais, quelqu'un qui peut évidemment étonner pas mal de monde, hein, je pense, parmi vous. Il va aussi, et d'ailleurs c'est le cas pour ces deux joueurs, essayer de rattraper une place relativement difficile, hein, puisque Penn a terminé en 16e position l'année passée. Du côté du Verschoot, une 14e position, pardon. Sachant que ce qu'on a vraiment retenu du Verschoot, c'est le coup du scorpion qu'il nous a mis. Pour ça, il va falloir faire quelque chose pour que Big Roon aille encore plus loin. Hein. Voilà, c'est vrai que ça va être dur quand même. Mais voilà, c'est deux clubs qui n'avaient pas forcément de très très bonnes positions la saison dernière, donc normalement ils peuvent que faire mieux. Tout à fait. On aura encore trois matchs hein, qui vont suivre. Je vous en fais rapidement le récapitulatif. Nous aurons Saint-Trond qui affrontera le Cercle de Bruges, Serein contre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise contre Malines. Voici pour le programme qu'il nous reste après ce match.
Et je pense qu'on va pouvoir le lancer dès maintenant. Osimhen, ouais. Victor Osimhen aligné dans cette composition. Après, c'est vrai que niveau collectif, il a quand même un lien fort avec Koulibaly, donc ça peut aider. Mais on en avait aussi parlé, je me rappelle, au tout début, donc avant même le premier match, on avait un petit peu discuté de ce qui allait pouvoir être joué. On avait placé Osimhen comme une possibilité. Ouais. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit vraiment joué par un joueur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, il avait 3 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, donc c'est bloquant pour certains gestes. Mais après, si tu n'as pas forcément besoin de ton style de jeu, pourquoi pas ne pas jouer avec. Très clairement, David, pour Bamba, même chose. Hein. Encore une fois, ces deux joueurs qui alignent, sont très souvent alignés sur, sur leur aile, en fait, tout simplement, aile gauche ou aile droite. Ouais. Mertens, De Bruyne, Koulibaly, Mal. Et on fait bien tourner pour l'instant du côté du Bersot qui met le pied sur le ballon, mais pas dans sa défense. Hein. On est vraiment très très loin, on est déjà presque à une des 30 mètres, donc on fait tourner dans le camp adverse. Ouais, après, il est pas forcément dangereux là, il fait tourner, mais il met pas en difficulté de peine. Non, c'est clair. Après, il y a peut-être aussi une volonté du côté de peine de temporiser pour voir un petit peu de quel bois se chauffe son adversaire. Mertens, ah, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Le principal, c'est que le ballon reste du côté mauve avec Bamba. Bamba pour Mertens. Mertens, la frappe de Mertens arrêtée par Thibaut Courtois, première occasion. Oui, et le Bersot qui rentre très très bien dans son match. Hein. Oui, tout à fait. Un corner qui va être joué à la Rémoise avec Bamba justement, qui vient proposer une tête second poteau. Cette fois-ci, ce n'est pas de Neuer, mais Fellaini. Je ne suis même pas sûr qu'on aligne de Neuer de toute façon du côté de Penn. Il faudra y revenir. Attention à cette passe en profondeur, mais aucun danger. C'est vrai que du côté du Bersot, on a quand même deux Koulibaly, il ne faut pas se tromper. Ouais. Ah oui, ça aussi. Mais je crois que c'est Koulibaly C et Koulibaly K, hein, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Donc normalement, ça devrait aller. Mais malgré tout, tu as tout à fait raison. Mal, N'Goy. Avec Mal à nouveau. Et la transversale. Encore une fois, on revient sur les mêmes schémas de jeu que durant les matchs précédents. Avec Atal pour Mamba. Et attention, c'était pas mal tenté. Une belle récupération de Koulibaly. Ouais, pour moi, face à... pas dire un round d'observation dans ce match également, parce qu'on a quand même vu une première action du côté du Bersot, mais c'est pas forcément un match qui a démarré sur les chapeaux de roue non plus. Absolument. Mal, Koulibaly, Mal à nouveau. Et on va... Oula. On a vu le défenseur latéral partir en profondeur sans la balle. C'était assez étonnant de voir cette position de la part de Dom. Koulibaly avec Bamba. Ouais, oula, là on vient de tomber, ça laisse un espace dans la défense, surface de réparation et finalement la récupération de Yosef Mal. Fellaini et Osimhen qui dégagent très 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 bien, une belle passe lobée. Ouais. C'est vrai que les transversales fonctionnent bien cette année, donc ça permet vraiment d'aérer le jeu et de ressortir d'une situation un peu compliquée où il n'y a pas forcément d'espace. Bah, la majorité du temps, on le voit quand même au niveau de la défense, si pas à la limite au milieu de terrain, mais c'est rare de voir des transversales relativement proches du rectangle. Non, voilà. Mais ça permet vraiment, si on voit, il y a beaucoup de joueurs de ce côté-ci, donc ça permet d'aérer le jeu directement et de renverser. Koulibaly vient chercher Mertens pour De Bruyne. Dom. À nouveau De Bruyne. Est-ce qu'on va aller chercher l'aile gauche maintenant? On a fait un petit tour par la droite. Mertens, De Bruyne, ça défend vraiment aussi sur les potentialités de frappe, hein. Donc on sent qu'on veut bloquer David, la frappe de David, assez intéressant aussi, la manière avec laquelle il a pu se reposer sur son pied gauche. Oui. Un corner qui va être probablement joué à la Rémoise pour la 27e fois aujourd'hui. Je n'attends même pas, et le tacle de Malouf, enfin l'interception, le positionnement de l'ex-défenseur de Genk. Mais pour moi, on voit quand même le Bersot qui est un petit peu plus dominant dans ce match. Absolument, tout à fait. En tout cas, qui met le pied sur le ballon, je le répète, et on l'avait déjà vu au tout début de ce match. Mertens, De Bruyne, la frappe de De Bruyne. Là, on parlait de frappe de loin et encore tir de loin, c'est à la ligne des 18-20 mètres. Mais malgré tout, une très très belle frappe en puissance de Kevin De Bruyne, le Bersot mène 1-0. Il était tout seul, hein. Ouais. Il était vraiment pas gêné, il pouvait que finir. Très 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 belle occasion, il fallait y penser néanmoins. Ouais. Là, on se retourne vite et on tire croisé. Et là, c'est lucarne opposée, c'est magnifique. Ouais, Courtois il ne plonge même pas en fait. Il peut pas. Il regarde le ballon. Puis, ouais. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, on n'a pas vraiment analysé les styles, mais mettre ombre à De Bruyne, je pense que c'est cohérent. Hein. Ce qui lui manque, c'est sa vitesse. Ouais. Mais surtout un petit peu sa défense en fait. Ah. Il est fort complet, mais c'est peut-être
ces deux notes les plus faibles, je pense, c'est sa vitesse et sa défense. Et vu que tu joues avec un milieu à deux, il faut quand même deux milieux assez complets, toi. Ouais, je comprends. Tout à fait. N'Goy. N'Goy, N'Goy toujours. Recherche en retrait. Mal. Openda, Fellaini, KMB. Attention à bien proposer. Oh, c'est splendide. Ah, j'en suis venu à applaudir frénétiquement. Tellement, j'ai pas besoin de crier pour une telle occasion, c'est juste magnifique, ça s'apprécie. Ouais, je pense que Lick s'est vraiment réveillé, enfin, après le 1-0 lui a fait mal, je pense mentalement, et si t'as vu une action directement, c'est but. Regardez, cette construction est parfaite, c'est vraiment une action qui mérite plus des compliments qu'une intensité de cri. C'était intelligent, c'était stratégique, c'est le genre d'occasion qu'on a pas encore beaucoup vu aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, c'est vraiment une action assez propre et très nette. Toi, il n'y a pas de compte favorable ou de ballon à récupérer un peu chanceusement. C'est voilà, 2-3 passes et on crée le danger et on met le ballon au fond des filets. Tu penses que on va retrouver un Ulix beaucoup plus disons dominant? Je sais, peut-être pas dominant, mais peut-être plus incisif, peut-être. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. Je serais malheureux pour lui de ne pas vouloir l'être. De Bruyne. De Bruyne, Koulibaly. Koulibaly toujours, aucune possibilité. Et il a l'air très très bien le jeu. Ça joue vraiment bien, hein, du côté du Berskut aussi. Parce que, comme on vous l'a dit, on ne le connaissait pas spécialement. Et je suis pour l'instant agréablement surpris. Non, c'est vrai que pour moi, il joue bien. Bien vu, Verratal. C'est fatal pour KMB. Il bosse bien ce ballon vers Fellaini. Il a bien fait de le rendre immédiatement. Attention à ne pas trop jouer avec le feu. On sait que Fellaini est quand même deux têtes au-dessus, mais ce serait dommage de perdre le ballon. Ça, c'est sûr. Mal. Koulibaly. Fellaini. Koulibaly. Et vient rechercher Attal très tranquillement. Des deux côtés, lorsqu'on est en position défensive, on est très 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 bas sur le terrain et on recule beaucoup. Oui, ça, que plus tu recules, en fait, plus ton bloc est resserré, donc il y a encore de moins en moins d'espace pour l'adversaire aussi. Tout à fait logique. Une des bases du football. Et Koulibaly va dégager ce ballon en corner. Un corner qui va être joué donc très rapidement cette fois-ci, second poteau sur la tête de Fellaini, qui, s'il me semble, a proposé une finition synchronisée rouge, c'est dommage. Ouais. Après, il a essayé, c'est bien, il a voulu jouer vite, donc ça a peut-être pu surprendre un petit peu le Berskut. Après, le ballon n'a pas fini au fond des filets, mais c'était bien essayé. On voit quelques statistiques, on ne voit plus quelques statistiques, mais encore une fois, avec un léger avantage au niveau des chances de but, j'ai l'impression, du côté, il me semble que c'était du côté gauche, donc du côté du domicile, du côté du X. Oui, c'est ça. Alors que pourtant, au niveau de la construction de jeu, on a l'impression de voir une domination plutôt du côté du Berskut. C'est vrai qu'il a gardé beaucoup le ballon, toi, mais c'est vrai qu'il y a eu... Je pense, on va dire, les 20 premières minutes ou le premier quart d'heure qui a été un peu plus à l'avantage du Berskut, et puis tout doucement, Eupen est revenu dans la rencontre. Tout à fait. En fait, depuis le 1-0. Depuis le but. C'est la même situation que... Ah, je me souviens plus qui... C'était dans un des matchs qu'on a pu commenter, Xavier, où il y avait un but qui a été marqué, et à partir de ce moment-là, il y a eu un revirement de match. Bah, il y a eu un petit peu Courtrai Louvain aussi. Ah, c'est peut-être ça. Oui, ça doit être Courtrai Louvain, tout à fait. Où on a ressenti à peu près la même situation. Oui, c'est ça le but de Mans, oui, bien sûr, tout à fait. On voit quelques montées hein, en jeu de Fellaini. Du côté du Berskut, en fait, on fait sortir ces deux joueurs du Berskut. Logique. Est-ce qu'on a fait sortir que deux, du coup, pas les trois? Moi, j'en ai vu que deux. Enfin, pas les trois, mais pas trois tout court. Fellaini, oh, c'est très très bien joué. Ça pouvait rentrer si on n'avait pas un tacle debout de Koulibaly ici. Très bien revenu. Hein. Oui. De Bruyne pour Mal. Ça aussi c'est étonnant parce que on aurait pu vraiment prévoir il y a deux ans que tout le monde jouerait Mal dans une compétition Ultimate Team. Ouais, c'est vrai que après, sauf qu'il a aussi une carte spéciale hein. Je pense qu'on verra pas jamais, enfin de toute façon maintenant vu qu'il a une meilleure carte on la verra plus, mais il aurait juste sa carte normale, je pense pas qu'on l'aurait vu, pas autant. Voilà. Bamba avec ce joli râteau se retourne pour proposer un peu de construction à Youssef Attal, qui a bien remarqué la possibilité de transversal ici. Chong, c'est bien vu. Très bien vu vers Luis Openda. Attention, il peut proposer quelque chose vers Chong. La frappe de Chong, et pour moi, elle devait rentrer également celle-ci. Une belle frappe croisée. Il a fait tout ce qu'il devait, sauf que bah voilà, malheureusement, un peu un manque de réussite, le ballon ne finit pas au fond. Deuxième fois qu'on a des petits éclairs de génie en termes de jeu collectif hein, du côté d'Open.
Ouais, c'est vraiment ça, je pense. On l'a dit, là, c'est un bon joueur, faut peut-être simplement le temps qu'il rentre dans sa compétition. Jason Denayer pour Traoré. Traoré, Diatta, Traoré. On stabilise la position, mais ça ne suffira pas pour aller marquer un but si on veut espérer accrocher une victoire hein, à l'issue de ce match. Fellaini. Fellaini pour De Bruyne. On revient tranquillement vers Fellaini. Et il ne se passe rien du tout, Xavier. Non, vraiment rien. Diatta, Traoré. Et la belle récupération de Bruyne, récupérée elle-même par De Bruyne. Attention ici à cette occasion avec Jonathan David qui rentre dans le rectangle, qui va à nouveau essayer de changer de sens sans y arriver. Diatta le râteau pour empêcher cette balle de sortir en coup de pied de but. On se retourne bien, mais finalement De Bruyne a proposé ça. Cette roulette en trois temps n'a pas suffi. En fait, je pense vraiment que le dernier geste est toujours un peu maladroit et il trouve pas forcément le bon choix dans, vraiment pour trouver le décalage et avoir une occasion de but. Non, c'est clair. Tout à fait clair. Fellaini pour Victor Osimhen et finalement c'est Jason Denayer qui va récupérer 65e minute de jeu. Nous avons déjà passé la dernière demi-heure. Il nous reste 24 minutes sans compter les arrêts de jeu. Qui va l'emporter? Franchement, au vu du match comme un match nul, ce sera un bon résultat. Pour les deux? Je pense pas qu'il y a forcément un joueur ou l'autre qui mérite une victoire à l'heure actuelle dans ce match. Bah, ça dépend quel point de vue on prend en priorité, évidemment, mais c'est vrai que, en tout cas, le score comme il est ne me choque pas. Voilà, ça, on a pas vu, si, on a vu une grosse occasion ratée du côté de Penn, mais à part ça, on n'a pas vu. Il n'a pas forcément raté genre 3 ou 4. Et on se dit, bon, là, franchement, il méritait la victoire. Pour être tout à fait honnête, Xavier, je pense que si quelqu'un doit marquer, c'est l'action qui mènera plutôt au but, voilà, qui nous fera dire, ok, il a mérité voilà, sa victoire. Certainement. Oui, tout à fait. Mais sur le sentiment global qu'on a à la 67e minute, ouais, de jeu. Après, il reste un peu plus de 20 minutes, hein, donc ils peuvent tout simplement reverser la rencontre. Mais à l'heure actuelle, c'est un match assez neutre. Non, c'est clair. Avec un léger avantage en termes d'occasion du côté de Penn, ouais, et un léger avantage en termes de possession et de construction du côté de Berscott. Exactement. Traoré pour De Bruyne, qui va une nouvelle fois temporiser pour Mal sur les gauches. Pas beaucoup d'opportunités laissées sur les ailes, en tendance à repiquer vers l'axe du côté des ailiers. Attention à cette proposition avec une nouvelle fois Jonathan David qui se retrouve un peu esselé dans le rectangle, qui ne sait pas trop quoi faire, obligé de revenir au milieu central. Ouais. C'est bien vu ça par contre. C'est très bien vu avec Diatta. Diatta, oh, cette passe pour Mertens, elle était lumineuse. Heureusement que le défenseur a mis le pied. Ah oui, tout à fait, elle était lumineuse cette passe. Diatta à nouveau se retourne. Bien chercher l'appui de Kevin De Bruyne pour Marwan Fellaini. Et maintenant Mal pour Chang. Chang, Fellaini, De Bruyne. Ah, j'ai honnêtement cru à une frappe dans cette ouais position. C'était un peu loin, mais. Ah, pourquoi pas. C'était pourquoi presque. Pas. Il était un peu plus loin que le but qu'il a concédé. Mais... Fellaini, De Bruyne. Diatta, Diatta, Diatta! Attention à Diatta, dommage. Je pense qu'il aurait dû s'écarter un peu plus de la trajectoire centrale ouais, ici. Mertens. Et les droites avec Traoré qui peut potentiellement déborder, chercher l'appui d'un coéquipier qui est parti juste au moment où on donne cette profondeur. Très très bon sens du timing. Diatta pour Mertens. Mertens qui devait passer de Neuer d'une manière ou d'une autre. Mais la défense était bonne. Non, on rentre tout doucement dans les 10 dernières minutes. Oui. S'ils veulent faire la différence, c'est maintenant. Corner joué à la Rémoise encore une fois. Second poteau peut-être. Second poteau encore. C'est fait. Second poteau. Et oui. Et oui, c'est bel et bien rentré. On l'a anticipé celle-ci, c'était pas vraiment très compliqué de l'anticiper pour être tout à fait honnête. 2-1 pour le Berscott. Très bien vu et peut-être mal défendu du côté de Le Pen. Je pense. Après c'est toujours deuxième poteau, c'est vraiment toujours dur de défendre sur ce FIFA 22. Donc on peut dire mal défendu qu'il aurait peut-être dû un peu anticiper. Mais je vais pas dire que c'est tellement simple de marquer en mettant une balle au deuxième poteau sur corner que tu peux même très bien défendre si t'as pas forcément beaucoup de réussite, le ballon est fini au fond. Non, c'est clair. C'est clair. On va passer en 4-2-4, si je ne m'abuse, du côté de oui, Penn. En tout cas, on dirait bien. C'est un choix qui peut être, d'après toi, pertinent ou un peu trop offensif? Après, il reste que ça. On est en début minutes de compétition, donc même s'il perd, bah, déjà là pour le moment il perd, mais c'est pas forcément dramatique. Il reste que 10 minutes, il faut prendre des risques pour essayer de revenir au score.
Donc c'est un choix, je trouve, cohérent et assez sympathique. Enfin, je trouve ça bien de sa part de prendre le risque. J'aimerais vous donner une petite information quand même, parce que je ne l'ai pas dit. Pour déterminer les classements finaux, donc une fois qu'on arrivera dans les dernières journées de championnat, j'aurai l'occasion évidemment d'y revenir maintes et maintes fois. Mais pour déterminer le classement, la première chose qu'on regarde, ce n'est pas la différence de buts, c'est le plus grand nombre de victoires, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il est potentiel que la différence de buts ne serve à rien dans cette compétition. Ce n'est que le deuxième critère après le nombre de points, bien évidemment. Un peu comme l'année précédente d'ailleurs. Ça veut aussi dire qu'il faut éviter les matchs nuls, Xavier. C'est vrai que par exemple, on prend l'exemple l'année dernière, je pense, si ma mémoire était bonne, c'est Anderlecht, oui. Qui ne perdait pas souvent, mais il faisait énormément de matchs nuls. Énormément. Je crois qu'il a, il a dû avoir que 3 défaites sur le long de la compétition. Il a fini 8ème à cause de sa quantité de matchs nuls exponentielle. Mal. Et c'est aussi un problème auquel va devoir faire face Manse, hein, je pense, dans cette compétition. Oui. Peut-être même aussi le joueur de Sorin. Ah, peut-être. Je ne serais pas étonné. On y reviendra évidemment lors de son match. Openda pour Diatta. Et non, il ne pourra pas redonner ce ballon dans l'axe. C'est une perte de balle au profit du Berscott. Thibaut Courtois qui arrive à tranquillement aller chercher. J'ai l'air rien dit. Il n'a pas réussi à tranquillement aller chercher Diatta. Non, c'était pas Diatta, pardon. De Bruyne. De Bruyne. Diatta, justement, lui qui était porteur du ballon. J'ai inversé les deux latéraux. On revient vers Traoré. Et on fait tourner ce ballon pour une fin de match pour le Berscott. Un match qui a été donc plutôt bien géré, notamment après ce but marqué sur corner. On est pas loin de potentiel 3-1 d'ailleurs, avec une occasion pour Diatta dans le rectangle qui a failli trouver un coéquipier. Oui, il a pas pris trop de risques. Depuis qu'il a fait 2-1, bah, il a essayé de maîtriser plus ou moins le score et il a eu raison. C'est toujours pas terminé d'ailleurs, parce que le match ne veut pas terminer. Nous sommes à 3 minutes de plus après le temps additionnel. Ah, attention, Fellaini. Fellaini pour Diatta et la récupération de Diatta face à Diatta. Et là, c'est bel et bien la fin de ce match. Ton verdict, Xavier? Alors, je pense que c'est un match assez sympathique quand même à commenter. Et au final, il n'y a pas eu énormément d'occasions. C'est vrai qu'il y avait une grosse occasion du côté de Penn ratée. Au final, il y a eu sur le match 4 occasions. Il y en a une qui a été ratée du côté de Penn. Et c'est ça qui fait qu'il perd 1-2 et pas 1-2-2 par exemple. Ouais, ça a fait la différence effectivement. Et on en reparlait. Alors ça s'est pas fait. J'attendais une occasion un peu différente. Je m'attendais pas à vous dire ça sur un corner. Mais je trouve que la gestion du match du côté du Berscott a été particulièrement. Ouais, c'est vrai qu'il a bien géré. Ben, il a géré son match. Il a ouvert le score. Après, c'est vrai qu'il. Le Penn est vite revenu dans la rencontre, mais après, dès qu'il a fait 1-2, il a géré très très bien le score. Je vous propose un rapide résumé de l'ensemble des scores pour l'instant de ce premier match day. Une victoire 3-0 du club de Bruges face à Zulte Waregem. 2-0 pour la Gantoise contre Genk. La défaite de l'Antwerp 1-2 face au Standard de Liège. Et puis nous rentrons sur une série de nuls entre Courtrai et Louvain et ensuite entre Charleroi et Ostende. Et vous l'avez vu à l'instant, cette victoire 2-1. Ça veut dire que donc on a fait 2-3-0. On repasse vers 1. Donc le prochain match, il devrait y avoir 2 goals d'écart. 2 buts d'écart. Pour le savoir, eh bien, il va falloir suivre le reste de ces match day. Alors, on vous avait parlé du match entre le Standard de Liège et l'Antwerp comme étant une confrontation entre deux habitués. Vous savez ce qu'il y a d'encore plus loin que des habitués? Des ex-joueurs, ouais, c'est vrai que c'est deux joueurs qu'on n'a pas vus les dernières saisons. On les a connus lors des premières éditions. Et puis, voilà, Dixac qui a représenté le Sporting Club de Charleroi à l'époque. Et puis tout doucement, qui avait quand même commenté une fois une édition de cette Proximus Hyper League. Et Lars, qui représentait le Cercle de Bruges il y a 2 ans, ah, c'est un vrai supporter du Cercle en plus, et il est de retour cette année. Tout à fait, hein. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu Ardixa la manette à la main. On l'avait connu durant, par exemple, la première saison de la compétition. Et salut Lars de Porter. C'est assez étonnant parce qu'en fait, les deux joueurs du Cercle de Bruges, d'un côté, nous avons Lars, de l'autre côté, nous avons Jay qui est en fait son remplaçant. Oui. Et si vous vous souvenez bien, les deux ont officié en tant qu'e-sporteur du Cercle de Bruges à un moment ou un autre de son histoire. On se rappelle quand même que Jay avait proposé de belles choses, qu'il était dans un top 6, c'était la première saison, oui, s'il me semble. C'est vrai. Et Lars de Porter était un peu plus bas dans le classement général durant la seconde saison, mais c'est quand même lui qui a été choisi comme titulaire dans cet effectif. Ouais, peut-être que les niveaux sont peut-être inversés aussi, hein. Ça fait quand même quelques années, donc il peut se passer beaucoup de choses. Tout à fait. On va pouvoir observer les conséquences qu'auront l'expérience de ces deux joueurs durant ces quelques années sur leur niveau de jeu et également potentiellement sur leur style de jeu, peut-être sur leur mentalité aussi. Ils ont pris en vieillesse, en maturité, et donc pourront peut-être mieux peut-être gérer les aléas du jeu. Peut-être en expérience aussi, toi. Oui, ça. Bien sûr, tout à fait. Cette question de l'expérience qui risque de revenir, je fais un petit coup d'œil sur les formations.
Est-ce qu'il y a des grandes surprises ou on retrouve des noms? Non, on retrouve des... Non, c'est toujours le classique. Oui, hein, des joueurs habituels. C'est vrai qu'il y a une petite nuance quand même entre, à chaque fois, entre est-ce qu'on joue Lukaku ou pas en ouais. vrai. C'est vrai que Lukaku, Openda, ça dépend un peu. Mm-hmm. C'est quoi vraiment les nuances? Enfin, pour moi, ça me paraît clair, en Openda, fait, rapidité. Voilà, rapidité, agilité. Et puis Lukaku, c'est plus le physique vraiment pour avoir un vrai point d'appui dans l'axe. Et tu penses que c'est lequel, toi, si tu devais jouer cette Pro League, tu choisirais quel format? Je pense peut-être, enfin, les deux, ça dépend en fait des jours. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de jouer Lukaku et d'autres moments j'aurai peut-être un peu plus de mal à trouver des solutions, donc je préférerais jouer Openda. C'est vraiment, les deux solutions sont valables en fait, c'est vraiment, faut faire un choix et puis après on verra bien. Mais donc on est d'accord sur le fait que c'est important dans tous les cas d'avoir les deux, l'un sur le banc et l'autre oui, dans... au moins pour au pire... dans sa titularisation. On a vu une belle occasion déjà pour Saint-Tron qui commence très très fort ce match. Et oui, tout à fait, avec cette récupération de Malo Sommer, c'est Koulibaly. Koulibaly nous ouais. fait des retours acrobatiques maintenant. Ouais, là on voit vraiment le Saint-Tron qui presse directement très très haut. Il veut, je pense, faire la différence très vite dans ce match. Aucun round d'observation. Hein. Xavier, on a voulu vraiment se lancer directement vers l'avant. Et on voit aussi tout doucement les joueurs qui ont été alignés du côté du cercle de Bruges pour leur club. Openda. On en parlait de cette dualité entre Openda et Lukaku. Pour l'instant, c'est Openda qui a été choisi. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne encore. De Bruyne absolument pas pressé. Qui va se retourner. Aller chercher Marouane Fellaini pour Openda à nouveau. Fellaini encore. C'est pas mal pour Yannick Ferreira Carrasco. Et finalement, non, cette ballon n'est toujours pas perdu. On le conserve, Xavier. Oui, on a vraiment l'impression que Ardixa, il a envie de montrer qu'il est toujours bien présent à haut niveau. Il prend vraiment le jeu à son compte dès tu le penses début. Que... Vas-y, dis-moi. Non, là, j'ai rien d'autre à dire. Tu penses que c'est le résultat d'une motivation grandissante? Une volonté de prouver? Oui, peut-être, justement, pour revenir un petit peu sur le devant de la scène. Tout à fait. Il faut pas oublier aussi que c'était un ancien E-Devils, Ardixa, à l'époque. Donc... Il a fait partie de l'équipe ouais. qui a affronté la France c'est durant ça. Le premier match amical. Absolument. On a réaffronté la France d'ailleurs en compétition internationale très récemment pour les qualifications pour les Nations Cup, mais on a malheureusement perdu. Heureusement, le match était sans ampleur. On avait déjà été qualifié pour la compétition qui n'a d'ailleurs ouais. finalement pas eu lieu pour des problèmes sanitaires. Théâtre de Coster. Théâtre encore, cherche Fellaini. L'aile droite sollicitée par Mal et le tacle de Kakassé, double tacle de Kakassé, ça va être récupéré une nouvelle fois par Bailey. Pas de danger pour l'instant opposé non. par le cercle de Bruges. Non, pour moi, il a eu le ballon un peu le cercle, mais il n'a pas été très dangereux. Par contre, Saint-Tron, dès le début de match, il a eu une ou deux grosses occasions. Tout à fait. Théâtre pour Mal. Koïta, Fellaini, Koïta. Et on revient en arrière. Un jeu en triangle sur les ailes, c'est aussi une certaine récurrence de jeu, j'ai l'impression, ouais. Cette année. Ouais, c'est vrai que bah, souvent sur les ailes, ça permet justement, quand tu joues sur l'aile, ça permet de déplacer tout le bloc équipe adverse. Puis si tu reviens vite dans l'axe, normalement il y a un espace. Tout à fait. En tout cas, il y a une chose qui n'a pas changé, j'ai toujours mes tics de langage sur les tout à fait. Hein. Vous l'aurez remarqué depuis le début de cette journée. N'hésitez pas à en faire des mêmes. Attention théâtre pour Lukaku avec cette belle remise sur Fellaini de Costero Carrasco. Et encore une fois, un jeu en triangle sur l'aile pour proposer une transversale au milieu de terrain. Je vous en parlais sur les transversales dans notre camp ici. Elle était un petit peu plus risquée et elle s'est avérée payante. Oui. On revient vers de Costero Carrasco. J'espère pour le sac de Bruges que sa pause n'était pas trop importante, hein, parce que ça fait quand même 27 minutes qu'il demandait la pause. Ah, c'est vrai que si ça se trouve, il n'est pas en train de jouer avec son dispositif. Après, je pense qu'il y avait vraiment de gros ajustements à faire. Il aurait mis le ballon en sortie de touche voilà, pour régler cela, donc ça doit pas forcément être des soucis majeurs. Donc pas de problème gravissime comme on n'a pas les bonnes touches. Voilà. Non, peut-être. Mal. Ouais, bien vu pour Koita qui a de l'espace hein, pour aller chercher l'aile gauche, ça a été fait. Ça a été même très très bien fait avec Bailey. Quel est l'avantage justement de ce joueur qu'on n'a pas spécialement tant vu que ça, mais depuis 2-3 matchs on a tendance à le voir aligné sur la feuille de match. En fait, il a 4 étoiles geste technique et puis après il fait lien aussi par exemple avec De Bruyne. Donc ça aide aussi. De Bruyne, Lukaku, enfin toi. Sur la première ligue, oui, pour aller voilà. chercher Lukaku, ouais. Tout à fait. Mal. Et Fellaini qui va perdre le ballon face à Fellaini. De manière générale, il n'y a pas beaucoup de d'ailiers droits qu'on joue en Pro League. Il y a Diata, il y a lui, et puis à part ça, il faudrait mettre quelqu'un qui n'a pas de collectif ou quelqu'un de ton club.
C'est vrai que c'était donc plus si souvent mets... Diatta quand même. Hein. Pardon ? C'était plus souvent Diatta. Que Diatta aussi joue en Ligue 1, il y a peut-être plus toi comme Atal qui a joué en Ligue 1 aussi. Donc c'est vraiment en fonction du collectif dont tu as besoin dans ton équipe. Mal. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que si tu joues Bailey, tu ne joues pas en l'occurrence Atal derrière. Des fois, ça dépend vraiment de ton dispositif. Mais c'est vrai que c'est rare quand on voit Atal et Bailey. Et pendant qu'on analyse tout ça, on va marquer un but un petit peu gag. On va attendre pour la position d'enjeu. C'est bien ce qui me semblait. Parce que là, la balle est arrivée un peu trop facilement dans un pied après le contre. Mais et vous voyez que de l'autre côté, de toute façon, on retrouve Bailey sur le banc. Hein. C'est ça. Van Damme, par contre, qui a été mis aussi sur le banc avec 62 de général. Ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut servir. 0-0 donc à cette 38e minute de jeu. On a vu un rapide point sur les statistiques, mais ça a duré que quelques millièmes de seconde. J'en profite pour aider un peu la formation. Le 4-2-3 assez classique du côté de Saint-Ouen. Ouais. Au final, toutes les années, on retrouve ce dispositif. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est meilleur que l'année précédente ? Parce que l'année passée, j'ai trouvé quand même le 4-2-3 un peu plus faible. Oui, cette année, il est meilleur quand même. Quoi qu'il arrive, ça reste une formation... Avec la dernière mise à jour, peut-être un petit peu moins, mais ça reste quand même une formation assez efficace. Hein. Carrasco. Parce qu'on avait beaucoup vu du 4-4-2 hein, l'année passée. Oui. Beaucoup plus utilisé. Carrasco pour Jonathan Bamba. On revient en arrière avec de Costerup pour Fellaini. Ouais, ça c'est bien vu. Ça c'est très bien vu. Attention, dommage. Et belle arrêt de la part de Théâtre, mais ça allait très très vite là. Oui. Un corner qui va être intéressant. Donc on va jouer peut-être encore une nouvelle fois second poteau. De la part de Bamba, c'est bien arrêté par Kakassé. Et en deux temps, c'est récupéré encore une fois. Est-ce que tu ressens vraiment la différence entre ces joueurs de club et ces joueurs en dehors de club ? Par exemple avec les deux joueurs qui sont obligés de jouer, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Ça dépend, parce que souvent quand c'est un latéral défensif, donc à gauche ou à droite, c'est pas forcément un joueur qu'on voit beaucoup, donc ça se voit pas. Par contre, quand c'est un joueur offensif comme Martens par exemple, qui a raté une grosse occasion, je pense que là on voit vraiment la différence. On avait une jolie tentative ici avec ce centre à ras de terre qui a fini par être arrêté. C'était malgré tout assez dangereux. Mais donc tu l'as dit, mais par exemple là je cite souvent de Costero, etc. J'ai pas l'impression de voir vraiment une faiblesse dans le jeu technique. Non, parce qu'il lui demande pas forcément des trucs très compliqués non plus. C'est souvent des passes assez courtes ou des passes quand il est pas forcément pressé. Il a le temps de la faire, donc à partir du moment où tu es conscient que ton joueur est un peu plus faible, tu prends pas de risque avec. Est-ce que ça montre pas finalement précisément une conscience finalement de ce qu'il faut faire avec ces joueurs, qu'on est présent, qu'on comprend lorsque l'on possède ce joueur, attention, il faut que je fasse attention, donc une belle maîtrise. Oui, voilà, après à leur niveau, ça serait malheureux de ne pas faire attention aux qualités, aux faiblesses de nos joueurs. Oui, mais bon, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, encore une fois, il faut y réfléchir, il faut avoir fait cette analyse. C'est ça. Tout à fait. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore eu cette sensation de me dire « Ah, s'il a perdu le ballon, c'est parce que le joueur n'avait pas les mêmes statistiques que les autres. » Et c'est une bonne nouvelle, encore une fois. C'est un beau, et on voit une par bonne exemple ici directement Kakassé de Saint-Ouen qui vient de sortir à la mi-temps. Il vient de faire rentrer Atal à la place. Donc il n'a pas envie de prendre de risques non plus avec lui. Ouais, mais c'est normal, hein. C'est comme à chaque match, hein, pratiquement. Oui. David, pour Théâtre, avec Atal. On a fait sortir justement de Costero, tu l'as dit, sortie de Sommers à la place d'Atal, sortie de Koita à la place de Chong. C'est vrai qu'on ne peut pas encore monter Chong du coup, est-ce que ce sera le joker de cette fin de match de côté adverse ? C'est un peu le super sub de beaucoup de clubs. Ouais, à moi-même je l'aurais joué en super sub. Hein. Atal, c'est fatal, et dommage qu'elle ne soit pas assez puissante cette balle pour aller trouver un appui sur Jonathan David. Atal dans l'autre sens évidemment cette fois-ci avec De Bruyne, de nouveau le retour vers Atal, pas de pressing on peut le dire, en tout cas pas dans le camp adverse. Oui, non, ça va pressing mais pas forcément assez proche de l'homme que pour mettre en difficulté Saint-Ouen. Carrasco, Openda, De Bruyne, Openda à nouveau, et on a bien reculé au niveau du bloc défensif, on revient vers De Bruyne, on revient vers Carrasco, c'est magnifique, c'est splendide, et là on a bougé le gardien en croisé, très 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 bien réalisé de la part d'Ardixa, une construction à terre quasi parfaite. Ouais. Non, franchement quand on a vu le décalage, qu'il était face à face avec le gardien, il était proche du gardien, donc on a quand même peur de l'arrêt réflexe, mais au final le ballon finit au fond, et très belle action, très belle finition. C'est précisément pour ça que je parle de quasi parfaite, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu foiré le coup du côté du gardien de but adverse. Hein.
Donc il y a un peu des deux, mais en tout cas quelle construction magnifique, hein. Vraiment ça s'est joué très vite, on était totalement perdu en fait du côté de la défense de Cercle de Bruges. Ça, il a été un peu en panique. Il va falloir réagir rapidement avec cet appui donné par Mertens sur Jonathan David qui perd le ballon face à Mal. C'est très très bien joué ce crochet pour éviter que ce ballon sorte en touche. Et on va se relancer. Fellaini, Chong, Bailey. En retrait sur Théâtre. Bon, Jason Denayer, Attal et Carrasco. On a fait le tour. On est parti de l'aile droite, on est revenu sur l'aile gauche. Est-ce qu'on va le refaire dans l'autre sens? De Bruyne pour Marwan Fellaini. Et c'est fait, on est de retour effectivement du côté de l'aile droite maintenant. On n'arrive pas à trouver l'espace, ou plutôt devrais-je dire, on ne cherche pas trop non plus. Non, on attend que l'adversaire vienne. Comme tu dis, justement, il fait tourner, il attend vraiment l'espace pour faire le 2-0. Mais il ne prend pas de risque, ça arrête de perdre le ballon et de se mettre en difficulté après. Et c'est très intelligemment joué hein, d'ailleurs de la part d'Ardixa. Très très belle profondeur ici en lobe avec Jonathan David. Qui va bien attendre, encore une fois c'était très très bien proposé. Finalement on va avoir un coup de pied de but. Alors déjà dans la dernière demi-heure de jeu. Et oui, et honnêtement moi, ce score ne me paraît pas démérité. Hein. Je ne vois plus, enfin j'ai pas vraiment beaucoup vu le Cercle de Bruges dans cette confrontation. Non, pour moi Saint-Tron est supérieur dans ce match. Moi aussi, tout à fait. Malo qui déborde, qui va prendre la place de l'ailier latéral et qui va pouvoir donc donner une profondeur qui va être stoppée bien heureusement par le Malo adverse. On sent qu'il y a encore de la pression qui est mise. Hein. Ouais. Non, je pense qu'il a envie de faire le 2-0 tout de même, mine de rien, pour avoir un peu plus de marge d'erreur au cas où. Puis un petit but, ça peut vite arriver, une mêlée, un contre défavorable ou autre, et puis ça fait un 1 et on perd des points bêtement. Bien sûr. Très très belle transversale pour aller chercher Attal qui a de l'espace et qui va devoir en concrétiser. Trois joueurs étaient dessus et la passe est parfaite pour De Bruyne. De Bruyne revient vers Jonathan Bamba peut-être et non. Finalement c'est arrêté. Mais là pour le coup, j'y ai cru. Oui. Et justement on en parlait que un but ça pouvait vite arriver et là on n'était pas très loin. Fellaini revient vers Mal. Qui revient à nouveau vers Fellaini. On n'était pas loin de ce but, tu l'as dit, qui aurait pu être... Il aurait pu changer totalement la donne de ce match, tout simplement. Clairement, parce que 1-1, c'est plus tout le même match. Hein. Non, clairement pas. Surtout que là, on va voir tout doucement Ardixa mettre le pied sur le ballon, très probablement, pour ces derniers quarts d'heure. Je ne suis pas sûr que le Cercle de Bruges le récupère s'il ne presse pas et s'il ne fait pas de changement tactique. Non, je pense qu'il doit vraiment essayer de mettre un peu plus en la pression sur les joueurs de Saint-Tron pour récupérer vite le ballon et se projeter vers l'avant rapidement. De Bruyne, bien vu. Pour Jonathan David à nouveau. Mertens en bas, De Bruyne et à droite Attal, c'est bien, c'est très très bien ça. Attal qui va essayer de reconcrétiser de la même manière que durant l'occasion précédente, de faire quelque chose de cette aile droite qui peut être utilisée. Attention, Mertens récupère. Mertens et non Jason Denayer la récupère en deux fois. Il y a Openda qui part là, voilà. C'est bien vu, hein. Très bien vu de revenir sur Bailey immédiatement. Bien vu le râteau pour empêcher la récupération en défense automatique. Et là, De Bruyne vient bien presser. Le match s'enflamme, hein, Xavier. Oui. C'est vrai qu'on a quand même presque un point de rupture des deux côtés. Le retour vers Théâtre. Et la récupération d'Openda en deux temps. C'est Fellaini qui récupère quasiment plus de défenseurs du côté du Cercle de Bruges. On est deux à rester derrière. Tout le reste, tous les latéraux sont bien devant. Et là je pense qu'on est hors-jeu, on n'est pas hors-jeu du côté de Mal. Oh, quelle sortie de Courtois, c'est pas terminé. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ça reste du côté du Cercle de Bruges, Carrasco pour Bamba. Bamba, la frappe de Bamba arrêtée par Denayer. Et là il faut s'en sortir, il faut sortir de la surface de réparation, Xavier. Oui. Voilà pourquoi Jason essayait de mettre le 2-0. Parce qu'il a senti le danger venir. Et ça repart, hein. Là le Cercle est vraiment de mieux en mieux dans son match. On est sur une fin de match très très explosive pour Lars. On le voit également à sa tête qu'il est motivé, qu'il est déterminé à aller chercher ce but pour revenir au score nul. Et plus ça avance, plus ce ne serait pas démérité. Attention, Bamba pour Carrasco. Carrasco qui va déborder sur l'aile gauche, rentrer potentiellement dans le rectangle. Il va faire face à Mal et cette balle va finir par sortir en coup de pied but ou corner. J'ai un doute. J'ai un doute aussi. Hein. On va le savoir très rapidement justement après la pause. On a un petit instant changement tactique. Il va falloir faire le tout pour le tout, hein, ça me paraît évident. On voit les quelques petits remplacements, la montée de Bamba justement, qui n'avait pas été aligné sur la feuille de match à l'origine. Ouais. Tandis que du côté du Cercle, il a fait le changement très rapidement. C'est pour ça qu'il a demandé la pause, il a fait sortir Lukaku dès qu'il a pu pour faire rentrer Bamba.
Intéressant, très intéressant. Carrasco qui devient central aussi hein, dans la formation d'Ardixa. Ça m'étonne pas, enfin ça ne me choque pas Carrasco en BU. Non, très agile, double 4 étoiles. Oui. Un corner joué sur Carrasco, mais de l'autre côté, Mertens. Carrasco, 88e minute de jeu, ça joue second poteau. Je m'attendais à le retourner acrobatique. Heureusement, on a Atal qui pose sa tête sur ce ballon et ça relance Chong. Est-ce qu'on va aller jouer le poteau de corner? Je pense pas qu'on aura le temps de ne pas perdre ce ballon. Ça s'est joué à quelques centimètres et la revenir en retrait probablement. Non, on va jouer le but et on va peut-être pouvoir aller le chercher, Xavier Chong. Chong sur l'aile gauche, je pense que ça va être une victoire. Ça va être une victoire pour Saint-Tron et non, aucun risque, on dégage ce ballon. Victoire 1 but à 0 pour Adixa dans son premier match depuis très longtemps. Ouais, ça, je pense moralement ça doit lui faire du bien de commencer très très bien et de la meilleure des façons sa compétition. Bah, il nous fait une belle confrontation hein, de manière générale. Oui. On a vu une belle remontée de Lars de Porter à la fin, mais ça restait un peu en deçà du niveau qu'on peut attendre de lui, je pense, dans cette compétition. Ouais, on se pense que voilà, un petit peu déçu par Lars, ou bien tout simplement Jason lui a pas forcément laissé l'opportunité de déployer son jeu. Tout à fait. Très bon match également de Jason de Villers, Stardixa, Alex Carolo maintenant, joueur de Saint-Tron, qui lui aussi a quand même pas mal de pression lorsqu'on sait qu'il arrive après Zeror, qui avait fait une belle position, une position régulière. Donc ça risque de peut-être le motiver. On sait aussi que c'est un joueur qui a la hargne et donc on a hâte de voir ce que ça va donner du côté de Lars. Et ben, on espère qu'il va réussir à remonter la pente, Xavier. Ouais, ce serait bien. C'est vrai que bah, après, on a qu'une journée de compétition, il y en a encore 16 derrière, donc il y a le temps. Et puis ce n'est entre guillemets qu'un seul but d'écart, hein. Ce n'est pas non plus un score fleuve qui vient d'être écopé, concédé par Lars de Porter à la nuance près, et cette nuance est importante, qu'on avait dit que jusque maintenant on avait commencé avec 3 buts d'écart, puis 2 buts d'écart, puis 1 but d'écart, 0-0-1, là ça devait être 2 buts d'écart, je suis un peu déçu Xavier. Désolé pour toi Guillaume. C'est vraiment, là je suis vraiment triste, c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave, on a eu malgré tout un beau match, un match très serré, très ouvert sur la fin de la confrontation. Mauvaise nouvelle, malheureusement, suite à des problèmes techniques, les deux derniers matchs de cette journée. D'un côté, nous avions la confrontation entre Serein et Anderlecht. De l'autre côté, la confrontation entre l'Union Saint-Gilloise et Malines ont été postposées. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire un petit débrief sur cette première journée, Xavier. C'est vrai que c'est une journée où on a eu quand même pas mal de surprises. Hein. D'abord, la victoire de Bruges contre Zultoregem 3-0. Puis la Grantoise gagne 2-0. Puis je te laisse continuer un petit peu. Ouais, les surprises étaient vraiment très très rapides. Hein. Les deux premiers matchs ont déjà été assez surprenants. Puis on est arrivé dans des matchs beaucoup plus équilibrés. On a aussi entre les scores, les scores à un but d'écart et les matchs nuls. 2-1, la victoire du Standard de Liège face à l'Antwerp. Le match nul donc entre Courtrai et Louvain, mais également entre Charleroi et Ostende. La victoire de Berscott, aussi une surprise en réalité, face à Eupen 2-1. Et enfin, vous l'avez vu, la victoire 1-0 de Saint-Tron face au Cercle de Bruges qui, elle, était déjà un petit peu plus prévue. Ouais. Non, c'est vrai que c'était un score un peu plus logique de ce côté-là. Tout à fait. Au niveau du classement général, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous le voyez hein, en haut à droite, il y a 4 équipes qui n'ont pas encore joué leur match. Elles sont donc provisoirement au-dessus des autres qui ont 0 points. Mais pour ceux qui ont joué leur match, eh bien, on voit déjà une petite série de 5 équipes qui prennent un léger avantage. Mais peut-on réellement faire des conclusions à l'issue d'une journée de championnat, Xavier? Je pense qu'il est encore très tôt. Je pense effectivement qu'il est encore très tôt. Mais une question que j'aimerais quand même te poser pour terminer ce show, c'est est-ce qu'il y a une ou deux équipes, un ou deux joueurs qui t'ont particulièrement marqué? Et où tu dis, ah, peut-être que lui, il est au-dessus de ce que j'espérais. Moi, en tout cas, le club de Bruges m'a fait une bonne impression. J'aimerais bien voir un petit peu contre d'autres adversaires, mais c'est vrai que pour le moment, il a fait une bonne entame de compétition. On peut rapidement revenir parce qu'on sait que Gilles est un peu le favori de la compétition. Ah, lui, il m'a déçu par contre. Mais... Tu penses qu'il va step up? Oui, je pense. Ouais, je pense. Enfin, un joueur de son standing ne peut pas enchaîner des défaites. Je pense qu'il a eu un jour 100. Aujourd'hui, il s'est fait surprendre par la Gantoise. Ça peut arriver. Ok, ben voilà, c'était l'avis de Xavier pour cette fin de première journée. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette très belle compétition. On va se retrouver évidemment le plus rapidement possible pour voir les matchs postposés et encore plein d'autres confrontations à vivre évidemment sur Eleven Sport. On espère que vous avez passé un très très bon moment et on sera ravis de vous en offrir d'autres à l'avenir. C'était la première d'une longue série pour cette Proximus Pro League saison 4, la deuxième qui est retransmise sur Eleven. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. À bientôt.